mieux vous édifier. Dès mon réveil, pour un meilleur start-up, je me branche 101.5 Radio Pacifique. Merci d'être à l'écoute de Radio Pacifique. Bienvenue dans Pacifique Matin. Lundi 7 septembre 2020. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Jacques, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur Saint-Éloi. Bonjour, Nagier. Bonjour à tous. Bonjour à toi, Olivier Mouchereau. Nous sommes très, très, très contents d'être avec vous ce matin après un week-end. Et on est là pour vous informer par rapport à l'essentiel de l'actualité haïtienne. Saint-Éloi, qui est le gagnant du matin? Bon, appréciation spectaculaire de la gourde sur le marché d'échange, le gouvernement s'est décerné en insatisfait suite en promettant de tout mettre en œuvre pour rendre stable la monnaie nationale. Et puis les travaux de construction du réseau électrique de la zone métropolitaine ont été officiellement lancés le samedi 5 septembre au centre-ville de Port-au-Prince. Ce projet rentre dans le cadre des promesses faites par le président de la République en vue de rendre disponible l'énergie électrique 24 heures sur 24 dans le pays avant la fin de son mandat. Et les portes de l'Université d'État d'Haïti seront fermées du lundi 7 au mercredi 9 septembre en vue de protester contre le double assassinat du professeur et avocat Montferrier Dorval ainsi qu'un étudiant mémorant de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire. Nous parlons aussi des commerçants qui jusqu'à ce lundi 7 septembre pour libeller les prix des biens et services en gourde. Une décision qui a été prise à l'issue d'une rencontre du premier ministre avec des membres du secteur privé des affaires le vendredi 4 septembre 2020. Et les responsables du syndicat de la police nationale d'Haïti qui ont annoncé pour ce lundi la tenue d'une marche pacifique pour dénoncer le climat d'insécurité qui prévaut dans le pays où plusieurs policiers sont déjà tombés sous les balles assassines des bandits armés. Et dans le billet de Jacques, le premier pour cette semaine, crise haïtienne, angoisse systémique et généralisée. Bien, avant de nous entrer dans le chapitre international, là, il faut que nous dit tout. Hier, il y a une situation de tension au niveau de l'ALU. Trois mounes arrivés et perdu la vie. Et hier, c'est Yon et bandit. Après, il était fin et fusillé. Yon moun et dans zone et canapé vert. Et bien, pendant l'arrivée et sous l'ALU, il y a essayé prend
et chauffeur moto, chauffeur moto qui n'est pas d'accord et à transporter Mandia, mais si les âmes, il est tué et chauffeur moto, et puis en échange de tir, Mandia est arrivé, perdit la ville et tout. Avec et la police, les informations sur le Kagadu, avec un responsable au niveau de la police nationale d'Haïti, et puis maintenant tout, il n'a pas gagné pour nous parler sous affaire, d'où là ça, avec Goudza, son bagage, scientifiquement, un peu le monde pour comprendre ce qu'a fait là, et pour bien inviter que nous soyons gagnés maintenant, c'est docteur Eddy Laboussière, avec lui nous parlons, mettez accent. Sous affaires ça marche ou pas au niveau de la police nationale d'Haïti avec l'inspecteur Jean Elder Lundi, coordonnateur du SPNH du syndicat de la police nationale d'Haïti n'a pas gagné pour nous garder éléments ça et puis marche étudiant autour qui a fait nous allons essayer d'entrer en contact avec eux pour nous capables informer ou par rapport avec parcours et garder qui ça qui a gagné matin hein. Était avec nous mesdames et messieurs on tout de suite. C'est 7 minutes. Rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs, au développement de cette édition. L'édition qui entre chez vous grâce au support de toute l'équipe rédaction. Mario Sylvain et Noclès Debréus, réalisation Olivier Boucherot, micro Jacques Ambroise, Moïse Saint-Éloi et Jean Fouchard d'Angers. Monsieur, comment ça répond? Nola, Nakembe, et après une semaine et après un week-end, alors nous participons à une nouvelle semaine et nous espérons que nouvelle semaine elle va voter et d'autres nouvelles, même si ça fait plusieurs temps qu'on n'a pas tant d'autres nouvelles, mais de jour en jour, Bagayo a fait plus qu'un cassé. Mais on dirait que seule bonne nouvelle qui vient dans ça, c'est que hier, moi, le ministère de la Santé publique met un chiffre dehors et il y a plus que 5 933 personnes qui guérissent de COVID-19. Donc ça qui t'a voulu dire une bonne nouvelle, donc le ministère qui semble faire un bel chiffre sur 8000 combien haut et il y a près de 5000 qui guérit, donc ça c'est on va pour nous t'applaudir, mais et puis dollar tout et cap descend par rapport avec Goudla, donc ça qui t'a en bonne nouvelle. Vous sentiez quel résultat là bas? Senti gen rezultat injection gèl la ban ti rezultat mais en pile moun di décision ça li très suspect sont qu'on acheté cette pièce yo une descend 4 pièces pourquoi parce que gon pour m'pa rendre si son prétexte en pile moun a fait prétexte que gen stock qui pote ko fini donc yo obligé tant stock yo fini pour yo descend prio monsieur Ambroise ça n'a rien dit par exemple matin là ils zone et au national et zone Satio ça veut situation va faire bon et ta va gagner et caoutchouc a brûlé dans zone là et circulation vraiment très au ralenti gagne monde presque inexistant par exemple gagne des monde pour qui tal dans travail d'après contact nous te gagne avec comme monde qui est dans zone là yo pas ca aller. Yo ba joine soudainement avant de m'apporter là dans zone Delma
40 et dans Delma Père là oui avant la grâce 42 44 et tu gagne tu caoutchouc et où tu vas non on va passer là non et tu vois et quelque reste caoutchouc qui était sur route là et puis ensuite on sentit que un climat amoureux. Oui, que mon yo peur. Par exemple, là, il y a 8 heures du soir, c'est comme si mon yo bail là, il y a un malfrat, un bandit, etc. pour faire ça en vrai. Pendant que nous disons, non, bon, bah, il y a un malfrat, un bandit pour faire ça en vrai. C'est passé. C'est que bandit fait ça en vrai. Bon, mais il y a un temps déjà. Mais tu es encore là, il y a. Oui, mais mon yo, je sais, mais c'est bandit, ok. Non, maintenant, attendez. L'État, la police, pas les moyens pour vous, Mac Bandit. Président, il y a la président, ça fait pas dire là, bon président, pas dire. Bon, c'est pas dire lui-même. La plague, il a mis dans le bunda. Vous perdez que tu perds. Président, pas dire le mot, vous voulez dire. Donc, nous pensons que. Maintenant, dans la question, ça va être avec spécialiste que nous allons parler. C'est vrai que le président parle en pile, et tout depuis le week-end, et dans la Tibonite, pour finir hier, 6e édition, dialogue communautaire. Il continue à parler. Et bon, vraiment, ce qui est important, et par rapport à nous, là, on a parlé là. Et nous souhaitons joindre Eddy Laboussière pour nous capables de poser problème. Et pour combien de temps, et que nous, là, lui-même, ça qui explique, c'est comme si on a dit, c'est un coup, son baguette magique. C'est dollars passé de 122 gouttes. Et en moins de deux semaines à 98 gouttes. Bon, je ne sais pas si tu as 98 gouttes là. Dernière fois, tu as 98 gouttes. Ok, d'accord. Mais et à 100 gouttes, parce que je veux dire que BH est à 106 gouttes. Oui, BH est à 106 gouttes, même si tu as bien pour ne pas passer plus de temps. Maintenant, qui ça qui fait? Et nous avons des ministres, ministre Boisvert, qui parlait de l'utilisation des bons de la BH. Ils n'ont pas fait dépenser les mêmes gens. Ils n'ont pas financé l'économie hein, à partir de l'accumulation aérienne. Ça, c'est parole des ministres. Et nous, le président lui-même qui fait comprendre que nous, là, le secteur qui a servi avec comme outil politique et pour déstabiliser le pouvoir, déstabiliser, il dit pas quitter ça passé. Donc, c'est autant de questions et. Nous avons gagné pour parler avec économiste Laboussière et Eddy Laboussière et Senda Yonni parce que un peu le fort on dit pour dollar bon, c'est ça qu'on a dans des économistes on dit pour dollar descendre pour production faut monter faut que nous produisons plus faut que nous importer moins et donc ça qui va permettre que nous gérer pression de dollar puis bien. Mais nous style pas produit et puis nous voyons que de là les mêmes les descendent donc et peut-être que ça suscite pour qui ça un peu le monde pour qui ça l'autre injection yo pas qu'on fait bruit fait ce dollar parce que c'est pas la première injection que BH fait. Mais ça va être ça les plus pas semblé grand pour avec injection BH faire parce que c'est pas la première fois monsieur Damien a fait ça bon. Et moi c'est que et nous avons un spécialiste tout à l'heure pour nous on t'y parler avec eux c'est vrai mais téléphone et monsieur Laboussière et l'hypoco est disponible mais entre temps Moïse et Camille Chalmers tout et qui lui-même pendant semaine nord économiste et Camille Chalmers qui va prendre vue par lui par rapport avec et bon il y a monde qui dit appréciation de la goutte même les prudents même j'ai avec économiste et chéri qui lui-même est très prudent par rapport avec question ci là et parce que société a nous il y a un peu de prudence pour nous faire sur point ça Moïse c'était loi parce que Jacques il y a des monde qui dit que Okay avant c'est 80 piastres il était vendredi 80 piastres c'est Okay 80 piastres le Ogan dit 80 piastres il dit que là ça va passer dans marché là il faut plus ou moins et spécialistes et gagné il dit la Boussière tout et que moi qui font qui font note sorti donc qui écrit petit bout de note qui dit que eh bien d'après ça le garder dollar t'es gagné noir t'es capable piba oui t'es capable 60 gouttes même t'es capable piba bon c'est ça que faut nous pas bon je vous parle avec lui et sous ça et tout à l'heure m'a semblé téléphone dit rien pour quoi l'ouvrir pour matin
Moïse et Éloi en oui, avec alors que, et selon Camille Chalmers, d'injection sur le marché d'échange de 150 millions de dollars américains pour le reste de l'exercice fiscal par la BRH est sans nul doute pour beaucoup de l'appréciation constatée de la goutte par rapport au dollar américain. Il fait entendre, en effet, cet effet positif peut se révéler très courte durée, toutefois, estime l'économiste qui dit croire que le problème de la stabilisation de la goutte doit être résolu de manière structurelle et non conjoncturelle, Camille Chalmers. Résultat est de 2 à 2. Injection BHA. Oui, injection de près de 50 millions de dollars américains, 49, je crois, 49 millions sur le marché d'échange qui fait ça. Bien, et nous capables de noter que il agit de façon beaucoup plus rapide par rapport à l'autre injection contre facture. Donc, probablement qu'il y a des modifications dans la méthode de distribution comme ça. Parce que, antérieurement, c'est un corps qui était en général monopolisé par quelques acteurs du système financier. Et je dis, apparemment, il y a des mesures qui prennent pour que les outils soient diffusés plus largement dans le marché financier. Maintenant, il est clair que, amélioration ça, qui sont améliorations sensibles et importantes, probablement qu'à pas durer dans la mesure où effectivement les causes de la détérioration de la gauche sont des causes structurelles et simplement injection ça n'est pas capable de permettre de renverser cette tendance-là de façon durable. C'est un problème qui est lié à la production, c'est un problème qui est lié à l'absence de contrôle sur sortie de capitaux qui est dans le pays. Hein. Mais comme interrogé sur l'attitude des banques commerciales qui fixent comme bon leur semble le taux du jour, Camille Chalmers a préféré mise en question la méthode utilisée par la Banque centrale pour fixer le taux de change, déclarant que ce marché essentiellement spéculatif dépend de la volonté des agents spéculateurs. On l'écoute. Oui, bon, et alors évidemment, une base moyenne faite au niveau de la Banque centrale, parce que c'est tous les banques commerciales et les différents opérateurs importants, les maisons de change. Donc là, ça, il faut connaître exactement quelle est la base qui est utilisée pour moyenne que BRH calculait. Ça qui s'est intéressant, c'est que sur un marché qui est pas, sur un marché spéculatif, donc sur un marché qui est très influencé par les décisions des spéculateurs, hein, et donc décisions spéculatoriaux, parfois, il n'y a pas forcément prévisible dans la mesure où effectivement c'est volonté spéculateur pour faire le maximum de profit à court terme qui est très souvent variable déterminante là, ouais, qui fait que parfois gagner ils ont une certaine incertitude dans la prévision sur qui genre que marché va évoluer dans les prochains jours. Que l'avion commence à voyager, que gagner des activités qui commencent à reprendre, donc il est capable d'expliquer tout que gagner une disponibilité plus importante de dollars sous ma chaîne. Qui en général pas du tout suivent les indications de la BRH. Et d'un côté que effectivement c'est tout notre travail qui est tout à fait pour que effectivement BRH impose comme autorité monétaire réelle et que respecter les décisions que BRH a prises. Ce qui est très, très 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 loin d'être le cas aujourd'hui. Je viens d'annoncer le nom lien avec nous, c'est le docteur Eddy et la Boussière, économiste, avec lui, nous allons essayer et garder les problèmes que nous avons posé là. Pour monsieur la Boussière, merci un peu pour disponibilité. Ou bonjour et bienvenue sur Antenne Radio Pacifique. Oui, bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Pacifique. Et c'est un plaisir, matin, pour nous faire un petit bout de avec vous autour de cette question. En plus, nous, notre société a pété au GTT et sous ça qui poussait. Et capable de décision monétaire, pas bon ici dans le pays, arriver et stabiliser Goudla ou encore faire Goudla jouer une petite crasse valet par rapport avec dollar, non petit caltan par rapport avec intervention et gouverneur Banque Centrale, Jean-Baptiste Dubois. Et je dis à la Goudla passé environ 122 goud à 100 piastres. Qui ça, selon vous-même, économiste, et qui capable d'expliquer la situation ça a souplé? Bon, il y a plusieurs facteurs qui expliquent que le monde national a fait varier dans un sens ou dans un autre, dans le sens de la hausse ou de la baisse par rapport à une devise sur une monnaie étrangère quelconque. Donc, dans le cas d'Haïti, ça qui explique ça. Évidemment, nous, tout économiste, tout le monde a pour réfléchir sur la question, parce qu'il n'y a pas qu'à comprendre comment que brusquement le monde national, la goutte qui a dépressé, qui a duré des mois, qui a même de des années par rapport à dollars, brusquement, on va accepter, je dis, à une appréciation
Et pendant ce temps, l'environnement macroéconomique n'a pas changé. Mm-hmm. C'est-à-dire que les fondamentaux n'ont pas changé. Et les fondamentaux, d'abord, c'est production nationale, un pays qui a produit, qui a exporté nécessairement monnaie nationale, il y a fort, et il n'a pas apprécié. Ce n'est pas l'État, parce que l'environnement n'a pas changé. Un pays qui a poussé à aide étrangère, ça a aidé le tout, parce que mon aide juste avant de l'avenir. Bon, un pays qui a poussé à pile corps de sa diaspora en devise. Mais ça a un bon impact positif sur la monnaie nationale. Vous voyez, encore une fois, ce n'est pas le cas. Diaspora est en zone de Moscou à cause de COVID-19, là, parce qu'il y a perdu du job de l'un pays étranger de côté. Et la communauté internationale, qui a peur d'être à Haïti, même à plus budgétaire, qui a été contre Bali, il n'y a pas Bali du tout. Vous comprenez, donc, pas grand afflux de dollars qui a de l'économie, ça qui explique. Vous comprenez, donc, c'est tout pour la chasse d'explication. Je dis à Dieu comme ça se passe exactement. Donc, c'est la noyée. Donc, chercher l'explication. Donc, nous prenons quelques éléments qui nous voient l'environnement. Le premier élément de l'environnement, c'est d'abord Banque Centrale qui font des efforts. Ils mettent l'argent dehors, 150 millions, ils dépensent 42 millions. Mais même là encore, je vous dis non, ce n'est pas forcément Banque Centrale qui fait la galère à changer la ça. Parce que ce n'est pas pour la première fois que Banque Centrale. Pour des opérations d'open market à mettre de l'argent sur le marché. Mm-hmm. Dans un passé récent, la Banque Centrale a mis 60 millions de dollars dehors. Mm-hmm. Donc, c'est le coup de la vente après, sinon. C'est-à-dire que pendant une semaine stabilisée, on ne pourra pas changer. Mm-hmm. Mais immédiatement, que la Banque Commerciale, qui a gagné suffisamment de liquidité en groupe, ramasse 60 millions de dollars, ça, et c'est constaté que le coup de la vente a décoché. Je veux dire, ce n'est pas le cas. Donc, il faut trouver d'autres facteurs. Mm-hmm. De mon point de vue, parce qu'il y a deux facteurs. Mm-hmm. Des facteurs et fondamentaux qui expliquent volatilité, changement et appréciation de la goutte. Le premier facteur là, c'est sanction. Ça, c'est notre dimension. Si on voit l'offre de l'histoire économique récente d'Haïti, Banque Centrale clairement prend des sanctions contre des banques fautives. Mm-hmm. Il y a sanction, ça a un effet que, mais je viens de comprendre que la Banque Centrale n'a pas dormi encore. Parce que le central a vu derrière et en particulier sur le taux d'échange. Il a vu derrière parce que c'est spéculation qu'il a fait. Spéculation, en ce sens que les gens ont déterminé le taux d'échange là, ce n'est pas par le jeu de l'offre la demande. Ce sont des bases spéculatives. Comment c'est une base spéculative? Eh bien, les gars ont une demande encore, bien fait, les gars du bon c'est temps, ils dépassent le taux affiché là. Ils vont accepter, pour accepter à faire le nouveau taux. Ils ont fait le tap 20 gouttes là, on dit à 105 gouttes pour nous là. Vous comprenez? C'est combien on met 50 millions? Il a dit, ah, on fait pas, il va pas faire quoi? C'est 107, c'est 108. Immédiatement que vous-même qui nous avez accepté à 107 à 108 alors que c'est 105 qui est, le nouveau taux, le lendemain, le nouveau taux va être 107 ou 108. C'est pas le jeu de la demande. Ouais, c'est spéculation qu'il a fait. Avec l'argent, et au bagage doit faire ça, c'est pas sur une banque commerciale, tout comme un sur une banque commerciale là pour faire l'intermédiation financière, c'est-à-dire que prendre pour moi une balle sous forme de crédit, au bagage pour appuyer pour moi le national, pour matcher par rapport à deux visas, et en plus de ça, ils n'ont pas fait quelques centimes de différence, mais après acheter à prendre non, c'est trois gouttes de fait de différence. La République Dominicaine, on regarde que c'est trois, c'est quelques euros que ma bureau, ça se fait. C'est quelques centimes de pesos qu'il fait. Mm-hmm. Ce n'est pas ni une pesos, ni de pesos, ou trois pesos. C'est seulement 8%. Vous comprenez? Donc, il y a des fromages extraordinaires. Il y a fait spéculation. Il y a eu connu que Banque Centrale, quand il y a une sanction, il y a commencé à ramasser quoi. Et deuxième facteur. Donc, deuxième facteur qui est aussi important, qui vient même ce facteur, ça est déterminant, c'est la prendre des stèles en main. Parce que l'institution va aider. Je prends des stèles en ce sens que M. Nouza, c'est à elle qui peut commencer à faire manifestation. Il n'y a pas la peur des manifestations, mais que les gens conformés parce que le peuple n'a pas été mais 120 gouttes, 125 gouttes, 150 gouttes, 200 gouttes pour nous donner. Donc, la population déterminée, il ne peut pas accepter que le banque impose ça. Il n'y a pas un vieux service. Il n'y a pas cette population pour camper, pas des manifestations pacifiques. Pour dire que ce n'est pas capable parce que c'est spéculation à faire. Si l'État va qu'à résoudre la question, les populations désormais pour la question en main. Vous pouvez faire des manifestants pacifiques devant banque ou empêcher de continuer avec spéculation bancaire. Achetez job banquier. N'ayez pas fait job banquier. Son autre job a fait. Il n'y a pas de rapport avec mission.
Ah ben. Parce que le national va prendre et va faire tout bénéfice. Docteur Laboussière. La manière de déterminer toi, c'est une manière frauduleuse. Et docteur Laboussière, dans ce sens-là, le président Jovenel Moïse, hier, dans le dialogue communautaire que le gagné, il dit que. Et il a raison. Il dit son seul business, nous bon fait. Et nous pas voulons monde vendre l'argent encore. Et il y a des gens qui ont servi avec et dollars américains comme outil pour déstabiliser l'État. Je veux dire que le président, si je finis dans des 60 là, et une décision très bonne. Oui. Et c'est votre président chuté avec le gouverneur Banque Centrale, lui. C'est le président, pas le président, oui. Même pas que l'aspect politique, on a déstabilisé. Ça qui est intéressant, c'est la dimension économique. Question, c'est votre président chuté avec le gouverneur, lui. Ou encore, moi, qu'il faut que Banque Centrale apporte une situation en main. Comment tant que Banque Centrale apporte une situation en main, soit Banque Centrale suspende déterminer le taux de référence à partir la moyenne des taux donnés par les banques commerciales. Parce que c'est Banque Centrale vient pas défendre les banques. Et si Banque Centrale vient pas défendre les banques commerciales, c'est mon cas pour superviser, ça peut dépendre de moi. Donc ces gouverneurs, président Chita, les deux, ou encore moi qui prends le jeu de l'offre la demande, ou le vrai jeu de l'offre la demande, chaque fois, tout a sauté. C'est pas fixé, Banque Centrale va le fixer loin, parce que Banque Centrale va avoir suffisamment de réserves pour la fixer. Mais c'est pas Banque Commerciale qui va faire tout. Première action que le président fait avec le gouverneur là, de définitivement chita, c'est le comment que c'est Banque Centrale chaque matin qui va faire tout. C'est pour Banque Commerciale qui va faire lui. C'est une anomalie. Est-ce que ça arrive? Il y a là, tout de référence Banque Centrale là, tout simplement, tout le bail là, ce taux de référence, la Banque Centrale a un vrai taux de référence. Parce que taux de référence aux médias, pas un vrai taux de référence. Taux de référence, la Banque Centrale a déterminé par les jeux de l'offre de la demande. Parce qu'on a tout ça imposable à toutes les institutions financières, y compris les banques. Et les films de taux de référence, avant d'être passé, on va pas faire deux ou trois gouttes sous le long. On va faire quelques centimes, 8 à 10 centimes. C'est-à-dire du différentiel en taux d'achat et tous les ventes là, va faire tout dépasser. On dit 10 centimes. Faut comprendre là. Et si on est bêtisé, ma frère, mais maintenant. Tu vas respecter ça. En même temps, tout, nous avons ouvert le cadre légal. Donc, ça ne va pas permettre d'aller plus loin dans ce affaire. Parce que si un PD n'est qu'un joueur et un PD, c'est à partir seulement des normes, ce qu'on appelle les normes microprudentielles. Les normes microprudentielles, on va faire pour un niveau de liquidité donné. Donc, un niveau de fonds propres donné, et faire pas pour risque insensé. Avec l'État mondial. C'est ça seulement que Banque Centrale a comme outil pour mener supervision. Donc, il y a un ouvert cadre légal de Banque Centrale à permettre de la gestion mondiale. Parce que des fois, la gestion de Banque Commerciale, on a prouvé que les opérations ne sont pas supposées faire. Et là, ils sont payés. C'est pour des services mal rendus ou non rendus. Banque Centrale fait pour être obligé à vérifier les bagages. Pour faire la remettre pour l'encombre là. Pour jouer la boussière, et avant de t'étendre et capoter explication ça, il y a des gens qui sont capables de dire, mais par rapport avec cette décision de la Banque Centrale de sanctionner deux banques commerciales, dont la Unibank et la Capital Bank, environ 865 millions de gouttes pour la Unibank et 4 millions de gouttes pour la Capital Bank, ou senti que ben, la patte marché vrai. Et après sanction, puis les gens qui suivent dans la rue, capable de dire, mais sanction est tombé bio. Et vous sentez que vous marchez pressé pour que Goudla t'a apprécié par rapport au dollar américain. Mais maintenant, pour M. Laboussière, par rapport à ça qu'on bail là comme explication, est-ce que ce n'est pas méchanceté qui était et bon côté et gouverneur, bon, pas dit et gouverneur, non, mais la Banque Centrale en général, par rapport avec Goudla, que M. Damnan Bankio décide de mettre environ 122, 123, 124 et jusqu'à 125 goudes pour un dollar pendant qu'il n'y a eu aucune mesure de la PAC de la part de la Banque des Banques. Mon cher, on va pas passer à l'aide. La diagonale, vous dites, invitez-moi, on va pas passer à l'aide. Ce que je dis, tout simplement, vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais, bien content que la Banque Centrale, parce que pas dire que c'est très privé à ça, il fait. Il crase l'État. Depuis sous Préval, l'État a crasé. C'est sous Préval, vous croyez que la Banque privée a été gagné un droit. Parce que Préval fait beaucoup de mal. Mon politicien, on a constaté que Préval a fait beaucoup de jeux économiques, mais pas le point de vue politique, a fait beaucoup de mal à ce pays. Pourquoi ne permettre que c'était banque, si l'un sous Préval, c'est banque privée à venir droit, que ça va faire, sans côté sous Préval, tout bail, gasoline, bail, ciment,
à l'ancien secteur privé qui a fonctionné, genre, a fonctionné très mal. Par exemple, en tant que ciment, pas de aucun cas privé, pas de secteur privé à ciment, parce que nous avons fait ciment dans le pays d'Haïti. Nous montons entreprise côté l'État, il y a 40%, il y a 60%, et ça n'est pas le fait, c'est importé à n'importe ciment. Mm-hmm. Alors que dans un gonaïde, il y a suffisamment de matière première pour faire ciment. Mon exemple, du Capréval, et c'est sous Préval tout, donc tu te viens toute autorité ça. C'est-à-dire que nous avons privatisé l'État. Dans mon contexte, la Banque centrale n'a pas fait quelque chose. La Banque centrale n'a pas suffisamment de cadre légal, il y a le DNG. C'est qu'on y a là, et pour ça pourquoi je dis, vous mettez tard plus jamais. La Banque centrale réagit. Et s'il continue encore, il ne va pas sanctionner, même Banque centrale et d'autres banques. Mais Gémon qui dit que. Il faut battre l'instrument légal à vous là derrière. Il n'y a pas gagné. Il faut le faire. Et si le président parle de ça hier, même si le président, c'est pour permettre Banque centrale. Et pour l'environnement, il y a un instrument beaucoup plus. L'instrument, le groupe l'Alder, pour mettre le rôle. Que banque, sous pas qu'à faire banque, qui te met ses banques là. Une banque qui fait quelqu'un qui fait de l'intermédiation financière, banque là, on doit acheter des devises. Mes amis, mais pas dans cette proportion, premièrement, et pas dans la proportion que tu as fait 3 gouttes sur chaque dollar américain. Et les pays, ils vont faire passer toute une capacité, une devise en pays, et vous, banque centrale, acheter. Parce que tout à fait ça en Haïti. Et pour 200 dollars, quand tu es dans un secteur formel ou informel, et pour moi, parce qu'on est dans un pays, c'est pour Banque Centrale. Même si je me servais à tout cher pour acheter la gala, pour tout dollars, pour moi, mon prime, j'aurais un égo à prendre une réservation pour l'ambassade. Mais même. L'ambassade, quand tu as pris l'ambassade, j'ai fait une ambassade dans mon prime. Mm-hmm. Mais parce que tout là, comme ça, c'est un professeur pour nous. Mais maintenant, professeur Laboussière, et si à calmer ça qui gagne là, qui ça a fait pour le durer? Parce que... Ah, on fait bagage qui fait pour le durer. Mm-hmm. Pas les autres bagages qu'on a fait parce que nous sommes malins. C'est sur les capes qui sont pays depuis des années, nous sommes très malins. Nous, même le président, même son contre-président. Mm-hmm. Mais il faut dire la vérité. Mm-hmm. Vous regardez dernièrement, nous avons un secteur à l'union privatisée. Nous disons qu'il y a 14 mois. Les gens font 94 millions de dollars induits dans 14 mois. C'est-à-dire que tout secteur privé, depuis l'État en face, ils sont soldats qui ont été exploités l'État. L'État vient faire bien séduire l'État. Même sous Préval, les Welfins ont été davantage sur le secteur privé. C'est le premier qui dit, monsieur, il faut restaurer l'autorité de l'État. Le secteur privé apprend. C'est ça qui passe là, je dis, mais pour résoudre les questions, on n'a pas de monde qui a résolu. Même notre centre n'a pas résolu vraiment. Donc nous comptons sans seul de votre banque. Même parce que c'est 3-4 milliards de gouttes d'affaires payées. Regardez le loi. Donc, ça, tous les autres questions, population, pacifiquement, vous comprenez les gens. On va passer plus que 100 000 là. Parce que même dans l'article qui m'écrit, j'ai fait des projections macroéconomiques. Je fais avec un modèle macroéconomique. Je prends l'offre de monnaie, pour la demande de monnaie, pour toutes les fondamentaux de l'économie, et m'ajouter la spéculation. Pour une famille constatée, c'est spéculation qui fait goutte là, l'État qu'il dit là. Et modèle, ça comme ça le bon moins. Pour ce mois de septembre, le taux de chèque est de 60 gouttes pour l'État. 60 gouttes. C'est ça qui devient en banque. 60 gouttes pour l'État. Pas plus. C'est pour Banque Centrale sauter sur l'occasion ça. Pour nous prendre l'autorité, lui. Pour le taux de référence là, pour cette taux de référence à 60 gouttes pour l'État. Mais maintenant, pour le moins, on plus que 8 centimes. Ou 10 centimes. Tout en plus, ça fonctionne. Professeur Laboussière, par rapport avec travers à Coco, dit Coco Fer, et Coto Cota Jeune, et Dollar, par rapport avec Goodland, tu as supposé 60 gouttes pour un dollar américain en ce mois de septembre. Et Oudili, j'ai obtenu ce chiffre à partir d'un modèle macroéconomique. Est-ce que modèle ça, c'est au même seul qui est connaissance avec lui pour qui ça? Parce que dernièrement, les conférences et de presse et Baden-Dubois, gouverneur de la Banque Centrale, tu as un groupe Moun qui t'a devant BRH qui t'a fait manifestation et il t'a demandé pour que Goudla t'a vu une 60 gouttes pour un dollar ou encore 50 gouttes pour un dollar. Et là, ça, j'ai Baden-Dubois, t'es ridiculisé Mounio pour te dire Mounio que demander 5 gouttes pour un dollar. Est-ce que là, et par rapport à travers sa conférence, les techniciens de la Banque des Banques, ils ont même tout, ils n'ont pas gagné information ça. Non. On voit au modèle macroéconomique, chaque économiste, y compris les économistes de la Banque centrale, le même modèle. Le modèle pas obligé, mais il y a un modèle pas. C'est comme sur un période cyclonique, il y a le modèle américain, il y a le modèle européen, chaque fois une trajectoire. C'est là, moi, je rencontre, on doit faire un modèle macroéconomique.
prévision ou de projection pour estimer ce que doit être le taux d'échange de la goutte par rapport au dollar, il y a même 40 gouttes pour un dollar. Mm. Il y a même 80 gouttes pour un dollar. Mm. Ce modèle, ce n'est pas des bagages, ça va dépendre de type de variable, entre jeunes et gros jeunes, comme étant modèle là. Donc, on a un modèle que m'estimer là, je ne sais pas, pour le début du mois de septembre, c'est souvent pour la période des 4 euros de plus bas. Un modèle que même macroéconomique de projection, j'ai trouvé 60 gouttes pour un dollar. On t'a bien content que. Donc, cette loi-là, elle ne dit rien. Il détermine tous les références qu'il y a par entier de taux donné par les banques centrales et par les banques commerciales. Et qu'après tous les références qu'il y a, à partir d'un modèle macroéconomique, que les gros économistes ont gagné dans la banque centrale là-bas. Mais vous même, qui l'autre paramètre vous mettez en face de vous qui fait que vous dites que Itaka est 60 gouttes et pour nous? Non, c'est que j'ai pris dans le modèle, quand on prend l'offre de monnaie. De dollars, pour demander des modèles, j'achète dans toute économie qui m'invite à profit de là, qui m'invite à demander des dollars, même pas pour faire le secteur formel, pour le secteur informel, parce que nous ne parlons pas du secteur informel là, la désintermédiation financière dit où, et qu'on bonne partie de dollars quand l'économie est rentrée, dans ce qui se passe par le secteur informel, et lui en pile, nous ne pouvons pas sur lui en pile. Il y a n'importe quel 40% de la capote de l'économie n'est pas passé dans le système bancaire là. Vous obligez de prendre variable ça. Ensuite, dans toutes les autres variables qui représentent les fondamentaux de l'économie, de la production nationale, en particulier le taux de croissance du PIB, moins pour tout, d'autres facteurs tels que l'inflation, moins pour tout tels que la consommation de ménages, les exportations, même les importations pour l'ensemble des variables macroéconomiques, le film a gardé un paquet qui est très et m'ajouter surtout. On va y avoir des économistes là, que mieux, économistes que mieux, bon, on va y avoir des variables de nous. Samuel n'est pas variable ça, voyons, on va mettre le modèle, lui dit oui ou bien non. Est-ce qu'il y a une spéculation? Est-ce qu'il va y avoir une spéculation? Mettez-la dans le modèle là. Monsieur, oui, et... les modèles, ça permet un niveau de spéculation régulier. Mais bon, c'est pas le modèle là, on brasse lui. Il faut prendre n'importe logiciel et économique qu'on doit prendre ici, il faut déterminer est-ce que spéculation a un impact. Surtout que j'ai constaté que les fondamentaux de l'économie ont un impact très faible, alors que spéculation a un impact très fort. Donc si je dis à côté peu de dépêcher ces spéculations, je me suis expliqué comment spéculation fait, spéculation dans le système bancaire fait, si le allemand non comme, les graphiques c'est 105 gouttes. Au même moment de 50 000 dollars, 105 000 dollars affichés, pas lui, non. Je dis, monsieur Mbagaye, non, mais si vous voulez prendre pour 107, 108, pas barreau. Les spéculations faites, très simplement. Mais professeur. Même le moteur de l'origine de l'offre de la demande, elles sont démagogiques. Donc, c'est pas normal pour une banque que chaque dollar de transaction fait 3 gouttes. C'est quelques contributions qu'on fait taxe pour cette là. Population va faire pour camper encore. Pour dire, pour banque centrale, répondre à c'est pas banque commerciale qui va payer tout. Banque centrale va payer. Et comment on va payer lui, il va le fixer non. Là, on garde le jeu de l'offre à l'Europe. On sortit tout à chaque matin. Et de mon point de vue, tout ça va dépasser 60 gouttes pour là. Mais professeur. Pardon là. C'est plus que 8 centimes sur un classe à avant. Voilà. Oui, il y a un marché pressé qui a fait là, dans la rue. En pile, moun a couru et acheté un bon bagage qui a été pour acheter un dollar. Parce que d'après ça, en pile, moun prévoit que j'ai un bagage politique là fait avec dollar en Haïti. Ça qui arrive après, il remonte 120 gouttes là, il me le malé, puis il va jusqu'à 150 gouttes. Non, ça va pas fait. Peuple là, il est en question. Peuple là, il est le seul monde qui a résolu le problème dans ce peuple là. Ce peuple là, bah oui, moun a servi les autres, non? Parce qu'on est méchant, tu as même si vous avez perdu contre nous, on est capable de voler, et ça va le mettre. Tu vas se répéter que vous avez perdu contre nous, vous avez fait manifestation violente, c'est ça va dire. Tu vas même reconnaître qu'il y a volé le pays depuis des années, et des siècles même. Donc, seul j'ai pour question posée, il n'y a pas d'autre solution. L'État, il a perdu l'autorité de l'État, et l'État a l'autorité de l'État, ses populations pour camper, il n'y a pas de solution, ça va passer. Mais pas pour ni 110, ni 120. Ni 150, ni 200, ni 500 gouttes pour l'homme, comme a fait Donc techniquement. Sans violence, ou carré de question. Donc techniquement, si n'a pas l'économie, pas gain à faire 120 gouttes là encore. Pas gain, ou pas
Ça veut dire que et momentum non, t'as bon pour monsieur dame gouvernement là pour t'as fait des projections qui capable et positif pour année et pour prochaine année fiscale là. Non, momentum non favorable au fait suspend faire des dépenses et qui pas des dépenses dans cadre productif. Ça veut dire qu'on pas capable de privilèges ou pas mérité. Non, bah on député, on sénateur, on président, on premier ministre, pas de privilèges. Ou bien on salaire, ou bien on paquet de coffres, ou bien deuxième résidence, ou bien chaque fête, ou bien on paquet de coffres, on suspend la bagaille ça. Vous comprenez, ça dit que le budget de la présidence n'est pas fait pour tout hôtel de là. Primati, même son budget, vous avez éliminé net. Net. On est premier ministre, bon petit frère. On est député, sénateur, bon petit frère. Bagaille salaire pour vous parce que le pays a son pays de misère. Deux ans l'argent pour investir dans l'agriculture et dans l'agro-industrie pour me permettre de payer à produire. Donc, vous décisionnaires, c'est depuis des garanties aux députés sénateurs, on ne peut pas réduire l'argent. Il va regarder l'ancien budget qu'on a fait. C'est des bagailles pour faire. C'est l'âme d'accord avec l'ancien, mon ami de fait, Edouard Val. Faut moins une constitution, voire l'élection. Ah ben justement. Pour l'économie, pour une bonne correction pour faire. Parce que le pays n'a pas produit. L'argent pays a c'est pour investir dans la production. Et en même temps, tout, Banque Centrale a pris responsabilité. L'emploi économique a commencé à redresser lui. C'est évidemment un fait social. Ils sont pays qui ont besoin de pile sociale parce que les top monde en misère. Mais quand à 5 millions, ils sont en situation de pauvreté, d'extrême pauvreté, il faut qu'on budget qui a éliminé les mauvaises dépenses. Il faut qu'on budget une bonne partie par la production nationale. Et il faut qu'on budget côté que social est très important. L'éducation, la santé et sociale vont faire directement pour les 3-4 millions d'haïtiens d'abus en situation d'urgence alimentaire. Mais pardon, je me dis pas important sur ça, et professeur. Il y a un autre économiste qui te dit il y a une question à faire de là, ça ou à, c'est parce que quantité de cob nous mettons pour question d'édouanement ici en Haïti, c'est le PPT dans toute Caraïbe là. Donc, et nous taxer au PPT que tout l'autre pays dans Caraïbe là. Donc, non, cette question a été. Longtemps débattu, parce que bon, notre économie fragile. De tout coup, depuis dans les années 90, nous avons éliminé les barrières tarifaires, nos tarifaires. C'est pas comme ça vous prendre. Donc, au moment là, on va prendre ça. Les barrières tarifaires et nos tarifaires ont été éliminées. Depuis sous période et gouvernement de transition après le déploiement du Galion. Mais c'est récemment, il fait déclaration. Nous avons une protection de 20-40%. Mais nous avons éliminé, descendu à zéro. Même dans le CARICOM, même dans le CARICOM, mais d'Haïti, mon cher, il faut aligner
tarif douanier par rapport au tarif de la tarif club. Donc tarif douanier un petit peu bas. Vraiment. Parce que nous je ne vais pas même demander de descendre à 5 descendants. Il y a sa économie, ça va tout. Lors de ce remonter lui, il y a folle devant WebC. Il ne faut pas qu'à lever matin. Vous dites à la République dominicaine campé devant, il va quitter remonter. Il va quitter certains membres de bagage, mais il y a tarifaire et même nos tarifaires. Et vous comprenez, donc c'est pas une question simple pour côté économique français, notre question comme ça, mais de prendre une façon très large. Quand on une question, hein, parce qu'il y a contre-tour. Pourquoi on a la République dominicaine, on a le devant web, c'est pour Haïti, lorsque l'ambition augmente en tarif, alors que la pauvreté, vous la voyez vendre en Haïti. Donc c'est pour Haïti simple, on va comprendre comme ça. On va prendre toute sa globalité. Comment Haïti va changer sa structure tarifaire, comment Haïti va aligner les tarifs douaniers haïtiens par rapport au même niveau. Par exemple, sur le point du riz, le tarif douanier haïtien à près de 5%, les autres pays de la Caraïbe pour protéger du riz, c'est près de 40%. Maintenant, dans son gros question, c'est Haïti pour chuter avec l'OMC pour les autres questions, ça pour augmenter les tarifs nous, et en même temps, tout, à dialoguer avec le public dominicain. Dominique est parti pour augmenter le nom, c'est ça peut-être qu'on dit de Paris, c'est ça pas qui. Il est parti pour augmenter le tarif d'agneau. Bonjour la Boussière, par rapport avec, je suis capable de dire, et appréciation, c'est une carrière de le concert entre guillemets de la goutte par rapport au dollar américain. Je vous dis à là, il y a un paquet de monde qui a consommé et dans le pays, le prix des produits particulièrement de première nécessité. Qui est capable de faire? Qui l'est selon vous-même? Vous pensez que la société est capable et senti effet et appréciation de la goutte par rapport au dollar américain dans sa consommation dans le pays? Parce que le prix produit est pratiquement arrêté même. Oui, mon frère, en économie, lorsqu'on voit qu'il y a macroéconomique, il y a toujours un effet de retard sur répercussion sur d'autres variables. Si on achète un stock pour 3 mois, il n'y a pas ce stock là, il est à 50 dollars. Je dis à c'est 100 gouttes pour nous là. Mais pendant ce temps, stock là, pourquoi épuiser? Apparemment, des gens changent les prix immédiatement. Vous comprenez? Donc, mais sauf que ça m'a reproché le commerce en eux, là, c'est le ministre du commerce, que mon reproché n'a pas fait travail, qui n'a pas gagné suffisamment de monde, qui sont qui n'a pas gagné suffisamment de monde pour suivre d'une façon régulière entreprise. Eh bien, là, qu'on est à gouttes là, dépressé, Je ne vais pas attendre, je ne vais pas parler qu'il y a un stock que j'ai acheté à temps long. Je déprécie immédiatement quand je dis que je fais l'argent sur ce stock-là. Je m'en suis compris de là. Je comprends, mais là, c'est l'État qui parle de travail. Je dis que mon stock, ça a été acheté le temps. Je ne vais pas déprécier, il faut un petit temps. J'ai acheté l'autre stock-là à nouveau toi. Il y a plus de mais quand il y a l'air, c'est le goût de la table déprécié. Je ne vais pas parler de ça. Je change pour qu'il y ait la hausse immédiatement. Il y a de l'État tout présent pour dire à la baisse les janvier, à la hausse les janvier, en fonction de la de durée stock quoi. Comment de population pour pouvoir vivre et commencer à y raison lui. Parce que le temps c'est la 115, il y a 100, il est nécessairement faut lui qui des stocks là, nouveau stock pour l'acheter à 100, la baisse. Et il y a le temps c'est reste le jeu tout. Donc c'est l'État qui pour faire. Qui influence ça? Qui influence ça bien sur l'économie, hein? Là, par exemple, le ministre commerce dit à partir de jeudi, hein, quoi, et tout le prix est en goud. Et nous sommes jetés qu'on va à comme ça qui était fait et déjà après ça, retourné sous décision. Est-ce que pendant que goud là a point valeur là, il est opportun pour même mesure ça rentrer en application? Oui, bon. Est-ce que la dédollarisé c'est quelque chose à côté. Parce que doit, avec son ministre du commerce ou le premier ministre après le dial, qui n'a pas apporté grand chose. Parce qu'on n'a pas de bien suivi permanent qu'on a fait sur gestion stock entreprise. On compte ça va le bailler à des bagailles, à des marronnets. Comment ça va créer des problèmes là, pour appliquer en mesure. Comme ça, c'est même mettre la mieux commerçant pour la plupart. Ça dit mon cher, mais comptabilité, moi, même si tu n'as pas trop bon comptabilité. Là. Je me suis acheté dans la 115, donc on a oublié un FM à venir à 100. Vous comprenez? Donc, question, ça m'a tout. Il fallait avoir une gestion à plus ou moins long terme. Sous question, ça,
avant que qu'on y aille à l'appliquer mais c'est ça matin parce que nous n'avons pas fait l'abus alors que c'était constitué permanent du ministère du commerce à partir de livres comptables mignons à partir de stock que j'ai le dollars perd du valeur mais pour qu'ils soient courimentés pour qu'ils soient pas super par exemple dollars on dit le dollar était à 105 vous comprenez qu'on y a demain matin il est à 110 alors ce stock quoi à 105 ou t'achetez. Tout ça qu'on y a 100 ou t'achetez à 105 là, qu'on y a revenu en prix, c'est comme si tu achetais à 110. Et qu'on y a amateur, la premier ministre avec le ministre du Commerce, pas qu'un bon instrument, mais un autre qui a fait contrôle ça. Il a fait contrôle avec Entreprise. Parce que Mathieu a expliqué au stock là, c'est 115 ou t'achetez. Il a dit à ce qu'on va vendre comme ça. Qu'on y a fait avoir la trotte habite en profondeur, pas qu'un quoi ça. Pour moi, même DGI n'a pas vraiment une capacité pour la garder en profondeur et comptabilité des gueules. Pour moi, donc la bonne difficulté d'application, est-ce que finalement, la profité de mon revenu comme ça pour débolariser l'économie, mon chef n'a pas vraiment mon en charge. Parce que l'histoire va dire que le pays n'a ni dirigé, ni administré. Mais si tu as des dirigés administrés, moi j'ai dit que ça, c'est un moment de temps. Et un de toi. Et dédollariser et revenir. On dernière petite question pour finir, et professeur. Hier encore, et le président a parlé de décret 17 mai 2005, et côté quitté Baraï, coût supérieur des comptes, droit pour tout ça que l'État pour le faire, gouvernement a pris initiative, il faut que l'on coût supérieur des comptes, et il a fait 5 jours. Le président a trouvé que 5 jours à antijantrope, il dit ça ralenti ou non projet d'exécution. Il mandait pour le Premier ministre, c'est tout à fait cessant, à rencontrer le juge dans la Cour supérieure des comptes pour voir comment il y a la sécurité ou bien aller plus vite. Est-ce que ça c'est une bonne décision? Parce que le président dit 15 ans après, loi a demandé adaptation. Est-ce que là, par contre, marché pressé, on bouille vider tout Bon, regarde, dans les marchés publics, il faut le gouvernement aller à la fois la Cour supérieure des comptes et il faut aller devant passer sur le marché. Il y a une qui vous donne un avis, il y a une pour valider, l'autre là pour un avis de non-objection. Mais ça va durer, ça peut durer, l'autre qu'on y a assis sur les bras de l'État, tout. Il y a 40 ans, si mon projet vraiment important pour la population, mais il faut une chita. Le président dit, il y a une chita. Alors, tu vas là pour 50 jours, ou qu'à fond, gens, pour répondre à cette exigence. Parce que le problème, ce n'est pas tellement dur, non. Est-ce qu'on va prendre une exigence que la loi fait, la Cour supérieure des comptes, pour valider le projet du gouvernement? Il y a six grands marchés précis. Mais qu'il y a eu, cherche très clairement l'information qu'il y a besoin. Sous projet, bah, très clairement, sous passation de marché, quoi, fait là. Clairement, c'est pas un problème qu'un gouvernement ait marché plus sur la question, hein, mais ça n'a pas empêché de respecter les normes de passation de marché. Ah ben. Bon, donc, il a cherché à Negio pour essayer effectivement de mettre à aller plus vite, d'une avec information que vous supérez des comptes à Mando. Sous pas d'information, mais vous supérez des comptes à pas qu'à faire un coup. Nous, d'accord, pour une cité avant, au lieu de 5 jours, nous faisons 3 jours. Dans 3 jours, c'est l'État où il y a besoin d'informations à venir dans 3 jours. Pour des informations, il n'y a pas de problème de faire ça. Parce que pour supérieur, quand on fait le travail, pas seulement si on fait le travail, c'est ce sont des bons de l'exécutif. Il y a 40 ans, il faut écouter tant. Mais il n'y a pas 40 ans, il n'y a pas respecté nos mieux. Merci un peu le professeur Labouche. C'est un plaisir de vous déposer. Voilà. Vous êtes avec nous, l'économiste docteur Idi Labouchière, qui tape à Fonti Balbouche avec nous. Sous affaire économie, mais là, je l'aime dans des bourgeois, je me dis peut-être, mais bon, ici, pas l'état vrai. Parce que pour un dossier qui est aussi sensible, qui c'est l'économie, et là, pour M. Labouchière, clair, il dit, il était écrit ça à plusieurs reprises et sur page Facebook, li, que société a prend destin la main et forcé M. Damio bon. et respecte une série de principes dans sa guimpo avec question de taux de change. Moi, je pense que, on dit tout le temps, nous avons une société civile qui n'est bon, qui pas impliquée. Oui. On dit, les gens, nous soi-disant impliqués, ils gagnent des intérêts directs, que ils gagnent des gens qui ont défendu. Mais les populations, les gens, professeur, ça t'a dit là,
sou ta impliqué ou te gen des groupes organisés réellement capable de mettre pression et ou quand on dans l'autre pays yo mettez 10 centimes son produit et puis pays a chaud et pays a et mandrager mais il va également avec sandakarele niveau la vie moun yo tout par exemple toute question d'eau là qu'on parler ou on a fait discussion pour lui là et parler chercher monter descendre gère moun ça pas veut dire rien pour yo parce que moun qui a vivre avec et moins qu'on dollars par par jour c'est-à-dire que là où a posé problème ça yo son qui manger et parfois et qui toujours en difficulté c'est gien des débats qui pas pour lui mais ça qui est important côté que pour nous vivre c'est comment nous capables améliorer et conditions la vie en général en dans pays pour nous arriver dans stade côté que donc une intervention professeur Labosse t'a fait faire comprendre que tout ça y a ban non comme prétexte qui t'a dit que dollar t'a plaidé de monter sous goutte là comme ça il y a pas de jambe de bail il y a pas de jambe avec yo oui il y a pas de avec yo il y a pas de jambe vrai et c'est ça fait sorte du que et qu'on d'accord qu'on pas d'accord avec le président Jovenel gain des décisions point qui mettait pression sous oligarchie qu'il a depuis quelque temps et depuis comme t'as pour ma bérigène qui est tape soucé qui toujours par exemple elle parle de trois gouttes de café sous chaque grain de nous là c'est à dire et l'île pas perdue c'est où payer pour casser là je dis à et qu'on veut qu'on parle et décision ça a quand même l'effet oui l'effet donc et c'est à dire que terme technique yo économique pas jamais grand question importation de question ceci cela qui te cause ça c'est une tout mais et ça va suffire pour te mettre les dans niveau qu'il y a parce que et non pays côté quoi importer ou pas vraiment faire exportation ou gagner conséquences économiques oui mais pas cas dans degré ça c'est quand même et c'est là on dit que et là on va parler dans les Moïse dans les Naboussière. C'est que l'État va faire ça. Mais c'est ça, justement. Parce que justement. Tout simplement, par rapport à la quantité de cob qui a pris entrée, tant que la Bosse a dit que gagner des économies, quelle qu'en soit devise qui est entrée, là, il y a une banque centrale. Là. Il canalise que le formel, que l'informel, il canalise dans la banque centrale. Là. Ça veut dire que Borisit, par rapport à la quantité de milliards de dollars, non, je parle de diaspora, transfert, que le fait qui est entré, l'argent, ça va jamais canaliser, vrai. Elle dit qu'il y a des gens qui ont fait tout le qui fait comme la Ladan, qui économiquement pas bénéficié. Monsieur Dame qui a mis son transfert, qui a la banque, yo. Et c'est même banque qui a mis son transfert. En tout cas, et quand tu as deuxième partie, et partie, on est réservé avec l'actualité économique et pour matin, mais deuxième partie, on prend l'autre information et puis on prend aller dans le chapitre insécurité pour nous informer nous. Et puis, garder avec l'inspecteur Jean. Lundi, et Jean Elder, lundi, qui lui-même est et coordonnateur de SPNH, Syndicat Police Nationale d'Haïti, qui a annoncé marche pour aujourd'hui. Donc, on commence à ça qu'on y est. Les messieurs d'Amsaoudi a fait marche dans la rive Port-au-Prince, c'est prêt, marche, monde bloqué, etc. Est-ce que c'est après le cas aujourd'hui? Nous pourrons regarder tout ça avec l'inspecteur Jean Elder, lundi, après épouse et drapeau. Olivier, et nous allons essayer d'aller tout avec une autorité dans la police par rapport avec sa crivé hier dans la zone Lalu. Bien côté que il y a trois personnes qui ont même mouru dans l'arrière et nous connaissons qui gens ça y est pas bon ici. Marron sur une nouvelle Jacques, on va même nous proposer à pouvoir et qui arrive. Et je crois que c'est Moc. Et bien côté que il y a un citoyen qui t'a attaqué, un volet qui était venu voler dans la zone. Et puis voler les marqués figé messia dans soirée il rentre là quand messia les violent timon messia rien qui gagne 7 l'année et ben ça c'est indignation et dans pays ça c'est faut est-ce que vous mettez main dans gagan non messia voler al fait outli oh c'est répugnant c'est ça qui fait qu'on ne parle de sécurité globale dans pays là c'est bon bah qu'a fait comme ça et c'est Jean et professeur Labouza sont à dire là et lui demander implication chaque grand monde société en général pour croire on sait des actes. En tout cas, 7h59 minutes et plus de 30 secondes, on va observer la pause du drapeau. Restez avec nous, mesdames, messieurs. On vous retrouve tout de suite après pour la deuxième partie. Il est déjà 8h. Il est déjà 8h. Thank you.
Pour qu'on doit dans le travail, doit pour jouer un petit morceau la justice, doit pour faire respecter bien, à cloner ou dignité ou liberté ou. Pacifique FM a présenté ou le mot du droit. Droit mental qui pour dire fierté nous. Avec Maître Rodrigue Dumas. Pour qu'on doit dans le travail, doit pour jouer un petit morceau la justice, doit pour faire respecter bien, à cloner ou dignité ou liberté ou. Pacifique FM a présenté ou le mot du droit. Droit mental qui pour dire fierté nous. Avec Maître Rodrigue Dumas. En général, d'après loi 7P2014 sur prévention et répression phénomène et les corruptions, qui a prolongé le pays à des pédiques d'antan, depuis qu'on parle de corruption, ou est-ce qu'il y a un monde qui veut utiliser l'occupation, ou bien abuser de fonction, ou encore le mandat électif qu'il gagne, pour l'accomplir ou bien choisir pas accomplir un acte relevé de fonction, occupation ou bien mandat, ça, juste pour capable de tirer un avantage, que ce soit pour peut-être parler, ou bien pour l'autre monde, au détriment de l'État, un organisme public, une institution indépendante, une collectivité territoriale, une organisation non gouvernementale, ONG, une fondation, une entreprise privée, côté l'État gain intérêt à l'institution ça. Et ici, là on parle de monde, c'est qu'il doit une personne physique ou bien une personne morale. Personne physique, ça veut dire n'importe individu, quel que soit rang, tant qu'un fonctionnaire ou institution internationale, un agent public étranger ou bien l'autre monde qui investit dans une mission de service public, tant qu'un président, un sénateur, un député, un magistrat communal, un premier ministre, un ministre, même cabinet président ou bien cabinet premier ministre qui accepte recevoir l'argent ou bien promesse l'argent en battable ou bien n'importe avantage sous côté pour tête ou bien pour l'autre monde, que ce soit directement ou indirectement, ça veut dire même si c'est soufflant chou yo ou bien rester avec yo, yo mandaté pour recevoir pour yo en échange collaboration yo dans quatre fonctions, mission ou bien mandat ça yo gagne. Tandis que pour personne morale là, auteur, co-auteur, complice, instigateur à agresser les actes corruption, gagne droit sur institution tant qu'un ONG ou bien n'importe entreprise secteur privé national ou international qui participe dans actes corruption. Les actes corruption qui manifeste tout sous forme influence sur monde qui bien branché dans l'État ou bien n'importe institution publique rivé utiliser pour le cas joindre ou bien faciliter yon l'autre monde joindre un service dans administration publique là tant qu'un job, un contrat, un marché toujours à condition ça rapporte-t-il un avantage quelconque. Dans affaire corruption, responsabilité pénale d'une personne morale, ça s'est engagé à partir du moment où représentant légal, tant que président conseil administration, directeur général institution, pose des actes corruption pour ou bien non non institution. Et dans cas ça, en plus peine la justice réservée pour représentant institution. Institution lui-même doit condamner à une amende sorti 1 million pour 10 millions goudes après la justice fin by l'ordre saisie et confisquer produits qui fait objet de corruption au profit de l'État. Et puis comme peine complémentaire, pour la justice interdit exercer que ce soit directement ou bien indirectement toute activité qui gagne lien à exact corruption reprochée là, sorti 1 an pour 5 années et en plus pour jugement condamnation publié dans journal ou bien diffusé dans toute station radio. Même genre tout, toujours d'après loi 7/2014 là, qui a tant yon jour pour le commencer à appliquer, s'agissant d'une personne physique. En plus peine d'emprisonnement, la justice est arrivée condamner un individu pour un acte corruption, même jugement condamnation de tout interdit pour pas capable exercer aucune fonction dans l'État ou bien pratiquer profession d'a exercer dans moment la justice est arrivée baril et mettre main sur lui pour un acte corruption ça pour 5 années à partir de date il fin purger peine et en plus pour jugement qui condamné là publié dans journal ou bien diffusé dans toute station radio. Leur corruption est présentée sous forme de cadeau sous côté, de raquette la douane, dans l'immigration, pour faciliter yon moun jouen yon service trap de, faire un dossier marché vite, vite, pressé, pressé. Le ça, vous parlez de la petite corruption. Ça n'est pas essayer de tout régler, ti bagay à rang. Mais le c'est gros bagay, gros requin, grand gousier, gros deal qui m'a épi pouès, en gros ton chef, gros palto, dans le sénateur et député, qui a négocié valise l'argent dans le couloir hôtel, portefeuille ministériel avec direction générale pour qu'elle gagote pour bloquer pays avant de voter dans le Parlement, président ou bien membre cabinet président, premier ministre, membre cabinet premier ministre, ministre qui décide d'utiliser pouvoir et influence dans la basse pression, côté fil en bas châle pour faire un monde ou bien une institution, joindre un contrat, remporter un appel d'offres dans conditions qui pas carrière avec la loi.
moyennant toujours un avantage quelconque, soit l'oufa yo même, yore les soi-disant commissions, mais là ça, on parle de la grande corruption. Corruption et pauvreté dominant même gabane. Comme ça, tant que cancer corruption plus a rongé un pays, c'est plus des possibilités pour la misère arriver d'incrémer la majorité moun qui vivent dans le pays ça. C'est pas cette raison depuis quelques années, dans le classement Transparency International, Haïti toujours parmi 10 pays qui plus corrompus sur cette planète là. Et en même temps, fait partie pays qui pi pauvre d'après Banque mondiale. Alors que, en sens inverse, encore chaque année, pays qui est toujours placé dans tête c'est là où qui a moins de corruption, tant que Danemark, Nouvelle-Zélande, la Suède, toujours classé parmi ceux là qui ont plus fort indice de développement humain. Ça veut dire côté population yo a vu pi bien que ce soit dans affaires la santé, éducation, manger pour yo manger, etc. En tout cas. D'après Unité de lutte contre la corruption ULCC, institution l'État qui a une mission pour combattre le phénomène de corruption sous toute forme dans l'administration publique, là, nous avons signalé que chaque année, l'État haïtien perd plus de 500 millions de dollars américains qui n'ont pas arrivé à entrer dans la caisse, mais qui fait route cochue et puis atterrit dans la poche escamotée raquettée dans tout pouvoir l'État, dans l'administration publique, là, l'argent qui détourné, gaspillé, dépatché, et qui doit être utilisé pour développer le pays, dans construire route, toute qualité infrastructure, bâtir l'école, l'hôpital, logements sociaux, mettre de l'eau potable, manger pour tout le monde, joindre pour manger, pour ne pas être obligé à courir quitter le pays, qui vient tourner en l'enfer pour eux, et puis pour connaître toute qualité brimade et humiliation dans le pays Brésil, Chili, et République Dominicaine. Maître Rodrigue Dumas. Pacific FM. Pour tout conseil et suggestion, composez 49 39 79 19 ou bien cliquez sur www.lemotdudoigt.net à page Facebook. Non. Pacific FM, le mot du doigt en route vers un état de droit. Red branché. N'a tourné talle. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Est-ce qu'on connaît bonjour, c'est un petit mot des syllabes qui a l'ouvrir toute porte? Ah oui. Est-ce qu'on connaît tout un simple petit bonjour qui a aidé un prochain passer une bonne journée? Ça, c'est vrai. Dis-moi bonjour, m'a dit bonjour, comme ça, la vie va plus belle. Ça, c'est un message Radio Télé Pacifique poté pour améliorer le rapport mon à mon dans le pays. Dans l'idée pour sensibiliser tout le peuple haïtien sur l'importance de nouveau 4 identification nationale, Office national identification, on y tente yon campagne dans 4 coins pays d'Haïti. On y a profité rappeler tout le monde. Délai pour aller faire nouveau 4 identification nationale. C'est 16 octobre 2020. Cap vini là, Jean décret 18 juin 2020 a mandé ça. Qui donc, citoyens tout partout dans le pays, marché pressé, tout bureau on y déjà l'ouvri porte yo bien large pour recevoir demande yo et puis bay au service pressé pressé avec bon gens accueil. Ou doit marcher avec youn nan pièce la yo. Baptistère, extrait d'archive, certificat baptême légalisé. Ou même madame mariée qui t'a remé mettre nom mari ou sous 4 signes. Songez marché avec avec acte mariage. Pièce d'identité si là, c'est en 4 multibiométriques. Ça veut dire, li fait à partir toute information sur moun kap fèl la. Tant kou, empreinte douette li, empreinte gel ak reconnaissance faciale. Mettez sous ça, li vini ak yon piste électronique qui donc, pa gen pièce possibilité pour faire faux 4 ça. Nouveau sin, fait rapide, facile ak yon matériel solide qui pote non polycarbonate, li résiste ak glo, chalet, et puis bay yon garantie 10 ans. Tout citoyen à la ronde bade, doit dégager au coup mettre Jean-Jacques pour gen nouveau 4 avant date 16 octobre cap vini là. Pas oublier, aucun monde pas autorisé à le chercher 4 pour moun. C'est médecine seulement qui peut passer chercher dans bureau ONI côté le te fait là dans une période qui pas dépassé 8 jours. ONI a prêté l'ouvrir 7 jours sur 7 pour servir population hein, moun cap vive ak yon handicap gen priorité dans tout bureau l'ONI. Pas attendre date 16 octobre arriver sous nous pour nous faire 4 là. C'était un message Office national identification ONI. Maman, car on machine. Faut mister crash check, ça c'est Subaru. Boum boum, tapa cat, ça c'est Subaru. Yes, grippez mon nègre, tu sors Subaru. Boum, bagne pas dans wash, aime Subaru. Yes, faut mister crash check, ça c'est Subaru. Boum boum, tapa cat, ça c'est Subaru. Grippez mon nègre, tu sors Subaru. Yes, bagne pas dans wash, aime Subaru. Subaru, mettez mon frère, mettez moi. Chaise malaise moule soir qui machine lick swap jeune n'a pris ça yon machine japonaise wadi konnichiwa konnichiwa kado chassis machine classe si c'est pas le vie regardez les ma passe tout mes kado vitesse kado sécurité quand pas capable passer comme tout bas ou toujours passer faut mister crash check ça
c'est Subaru. Vous me voulez 4x4, ça c'est Subaru. Je peux mon nègre du sol, Subaru. Subaru, pas de bon en wacha, aime la Subaru. Subaru, Forester, crash check, ça c'est Subaru. Vous me voulez 4x4, ça c'est Subaru. Je peux mon nègre du sol, Subaru. Subaru, pas de bon en wacha, aime la Subaru. Sous ta remède, gros Subaru, même j'en veux, viens jouer nous dans Automeka. Adresse 22 boulevard Toussaint Louverture sous Wouta Yopoa. Téléphone 2941-2544 et 2941-2545. Et sous net là, automeka.com. Radio Pacifique, qui n'en nous branche, coûte-il et puis tendez. Pacifique FM. Port-au-Prince, Jérémy, Okaï, Cap-Haïtien. Pacifique FM. Plateau Central, Latimouni, Podipé, Fort-Liberté. NIP, Jacmel, et puis dans diaspora, à même passion. Radio Pacifique FM, notre passion. Radio Télé-Pacifique, l'unique transparence, la seule, la vraie station choisie parmi tant d'autres pour mieux vous édifier. Il est 8h12, bienvenue dans la deuxième partie de cette édition. Le Premier ministre Joseph Jout a indiqué avoir rencontré le vendredi 4 septembre 2020 des membres du secteur privé des affaires en vue de faciliter le respect de la décision du ministère du Commerce exigeant que les prix des biens et services soient affichés dans la monnaie nationale sur toute l'étendue du territoire national. En ce sens, les entreprises ont jusqu'à ce lundi 7 septembre pour se conformer à cette décision, selon le chef du gouvernement qui précise que l'application de cette mesure aura des incidences positives sur le taux de change, ses déclarations. Le délai de mise en conformité du commerce avec ces nouvelles mesures est prolongé jusqu'à lundi. Cela signifie qu'à partir de lundi, des dispositions seront prises pour s'assurer que les prix sont affichés dans le commerce partout sur le territoire national en cours. Le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, restera également à l'écoute pour accompagner les entrepreneurs tout au long du processus. Sur le plan national, actuellement, la quasi-totalité des transactions est effectuée en dollars américains ou en gourdes indexées sur le taux du jour. Aucun bien, aucun service n'y échappe, y compris le paiement des loyers ainsi que des frais scolaires et universitaires. Et le pire, c'est ce fameux taux du jour qui est fixé unilatéralement par le vendeur ou le prestataire lui-même à son propre profit, avec le plus grand mépris qui soit pour le taux de référence de la BRH. Les mesures d'affichage des prix en gourde sont liées à d'autres séries de mesures. L'injection des 150 millions de dollars sur le marché de change par la BRH, la maîtrise des dépenses publiques pour éviter de recourir au financement monétaire du déficit, et en ce qui concerne l'affichage des prix en gourde, c'est un outil qui nous permet d'agir à très court terme sur une variable simple. Le chef du gouvernement dit multiplier les stratégies de concert avec son équipe afin de parvenir à une certaine stabilisation au niveau du marché d'échange. Par ailleurs, le Premier ministre dit condamner les agissements des banques commerciales qui refusent de se soumettre aux décisions de la Banque centrale en ce qui a trait à la fixation du taux de change. Joseph Jout. Le gouvernement a décidé d'intervenir sur le marché d'échange ainsi que des biens et des services à travers ces mesures. Parce que la distorsion du marché haïtien est telle, on ne peut pas avoir un processus de maîtrise de l'inflation et de stabilisation du taux de change qui soit uniquement impulsé par les mécanismes du laisser-faire du marché. Et pour cause, depuis la libération du taux de change du dollar dans les années 90, le marché haïtien réagit par une dollarisation partielle de l'économie. La disparition des frontières entre les transactions nationales et les transactions internationales disparaissent. D'où apparaît un effet pervers
tout le monde cherche à faire l'acquisition et à accumuler des dollars américains qui sont en réserve et souvent à la maison. Anticipation négative qui aggrave à la fois la pénurie des dollars et la décote de la bourse. On s'empêtre alors dans une sorte de cercle vicieux. Plus le dollar se raréfie, plus son coût d'acquisition est élevé. Et plus les transactions liées à l'importation sont coûteuses. Pour un pays comme le nôtre, qui dépend de l'importation à hauteur de 80% environ, quant aux produits de consommation et des intrants, les conséquences d'un tel emballement du coût d'acquisition du dollar sont catastrophiques en termes d'inflation. Voilà pour les déclarations du Premier ministre Joseph Jout lors de cette réunion avec des membres du secteur privé des affaires. Le président de la République de passage dans le département de l'Artibonite a promis d'assumer pleinement ses responsabilités en rétablissant un climat de sécurité dans cette zone, pratiquement échappée au contrôle des autorités. Le chef de l'État dit n'écarte pas la possibilité de faire appel aux forces armées d'Haïti, mobilisées depuis 2018 en vue de s'attaquer aux actions des bandits qui croient pouvoir mettre en déroute l'autorité de l'État. Écoutons les déclarations du président de la République, Jovenel Moïse. La police sont forces civiles. La police sont forces civiles. Côté force civile, ça, n'est pas capable d'avancer. Moi-même, je dis dit publiquement, et me connais. Il y a des gens qui parlent pas en pile, qui parlent pas cher. Je vais mettre la main d'Haïti dans le monde d'ailleurs. Parce que je ne peux pas camper. Parce que moi, je vais nous prendre aujourd'hui. Je ne peux pas faire des bandits pays. N'est-ce pas? Yo arrivé dans limite yo et moi-même moi dis yo ça m'dérabé moi pas camper bataille contre insécurité a li commencé là 5 septembre non côté me camper dans Moro dans Pochon de ya c'est là le commencé bataille là et me connait moun la Tibonite nous pas qu'on rester pour moun faire nous courir ça qu'a passé là le bagain non vacabou ça avec volume jam jam quand même wa c'est pas bagain qui gain non m'a dit Mabdi, ministre de Défense n'a pas gardé mon capitaine de Mla. Ministre Justice n'a pas gardé mon capitaine de Mla. Que yo même, yo mette tête ensemble pour que là, moi mandé la paix dans la vallée la Tibonite là. Les communes qui viennent dans la vallée là. 27 sections communales qui viennent dans la vallée là. Nous mandé la paix sur yo. Ça veut dire, Mabdi non. Mais ça m'a dit non. M'a dit non. Cette histoire pour moi, je dis non comme ça. Moi-même, pour ne pas ta ville là aujourd'hui, pas de personne qui veut seul bout de la ciel là. Et pour me dire non, son décision personnelle me prend. Son décision pour moi, je suis là. Parce que nous avons voté, nous avons mis dans nous. Je ne vais pas courir. C'est fini pour me dire. Je ne vais pas courir. Je descends là, je vois, je t'entends, je comprends, je suis bon Simon. Simon, pas entrer dans la politique. Good grammar. Voilà pour les déclarations du président de la République, Jovenel Moïse, qui lui-même promet que Pralguéen y ont suspension dans la troublée que Bandi Axam a simé. Surtout dans le département de la Tibonite. Là. Donc, bon. On espère que c'est à peu de bon. On va dire la mettre la main dans le moulin. Et elle dit. Femme Barry. Pas la très sérieux. D'ailleurs, c'est le président qui a parlé. Et moi-même, ma question de sécurité, je comprends que toute autorité se pose préoccupée. Pas vrai? Particulièrement au plus haut niveau, président de la République. Oui. Parce que l'a fait tout le monde déjà. Mais moi, je suis président, je suis premier ministre, je suis ministre de justice. Je ne peux pas faire déclaration. Ça fait ça. Je t'attends que les résultats commencent à être sur le terrain. Si, et je prends les dispositions, passer la police sur l'ordre.
et passer toutes les forces de sécurité ou l'ordre pour nous payer pour nous dire que la bande a changé. Mm. Est-ce que vous comprenez? Récréation finie. Récréation finie. Mm. C'est-à-dire, j'ai un président à parler là, c'est un coup, le président veut faire mon paix, mais comme si, par exemple, regardez comment qui passait hier. Bon, c'est au cas c'est cas isolé. Et n'est-ce que Boisverna qui trouvait mon Boisverna et qui trouvait mon canapé il trouvait sur la lue, il trouvait sur la lue, et puis lui-même l'a mouru et dans ville Bédéa. Donc, question de sécurité dans le pays, par rapport à pile à âmes qui distribue. Sur le plan global, sécurité à l'étroit, fragile dans le pays, même dans la place président, je ne vais pas faire des déclarations. Oui. Oui, nous avons que nous allons parler avec les prochains invités, nous, et qui déjà en lien avec nous, c'est responsable SPNH, là, on a parlé de l'inspecteur Jean Elder lundi. Inspecteur, merci en pile pour disponibilité, ou, et bonjour, bienvenue sur Antenne Pacifique. Bonjour, bonjour, Pacifique, bonjour, pour chance, c'est un plaisir pour nous parler, voilà, pour vous saluer toute population haïtienne, m'a salué policiers, en particulier et membres syndicales. Et je vous dis à la partage panel là avec Jacques Amboise, Maurice Saint-Eloi et puis Olivier Bouchereau et inspecteur et SPNH dans la rue Jodia pour faire qui ça souple. Vous pouvez reprendre moi s'il vous plaît. Vous pouvez reprendre qui sont moi. Oui, SPNH nous et annoncé que nous avons fait marche. Est-ce que marche a toujours kembe? Si oui, c'est pour qui ça? Effectivement, marche là, marche a toujours kembe. Et c'est pour nous capables une fois de plus dénoncer des actes de répression syndicale qui a fait contre nous. Côté que nous évoquons les membres fondateurs de l'officier policier Jean-Pascal Alcon. Côté que nous mettons en puissance Jean-Pascal Alcon et nous évoquons les porte-parole aussi pour Nick Aberson. Mais mars demain, rentrer la ligne droite tout et insécurité qu'après ampleur démesurée, côté que nous obligés pour la rue, hein, pour nous porter les revendications, pour nous demander l'État pour le pouvoir, tout habité dans le cadre de monde qui a mouru dans le pays. Et l'engagé par rapport avec la question ça, ou dit que vous nommez deux monde dans l'équipe non qui est arrivé révoqué, pour qui ça fait que nous pas apporter plainte au niveau de l'inspection générale de la police, parce que c'est eux-mêmes qui prennent la décision. Hein. Et nous avons fait recours de situation de révocation sage là. Nous avons fait recours auprès de la direction générale et aussi auprès de la Cour supérieure des comptes. Et nous avons dénoncé le tout auprès de l'organisme de droits humains au droit mounio. Nous avons dénoncé le tout auprès de l'OPC. Nous avons pris toute instance et puis nous avons fait recours. Maintenant, par rapport avec ça, il y a des gens qui sont capables de dire, mais pour qui ça fait que c'est ça que nous obligés prendre avant en termes de décision? Parce que première décision que nous avons supposé prendre au niveau du SPNH, là, c'est rencontrer l'inspection générale. Pour nous connaître pour qui raison que vous décidez de prendre une décision pour évoquer deux membres fondateurs de et syndicats, nous? Et nous faisons plusieurs rencontres avec l'inspection générale. C'est une question que nous parlons avec les. Nous parlons avec les. IGC a en pile sous ça, mais il y a une région qui dit que qui est porte-parole. Nous n'avons pas aucun problème contre lui, mais il y a une procession contre lui quand même. Alors pour nous-mêmes, nous avons l'état de répression syndicale. Et répression syndicale là, c'est en violation de convention 87 là sur la liberté syndicale et convention 98 sur la négociation collective. Et aussi violation de la constitution de la loi mère qui bat nos droits pour nous syndiquer, pour nous mettre nous en association. Et à chaque fois, la police dit qu'il a fait marche et pour dénoncer au bagage qui a passé en dedans institution ou encore qu'il a subi, donc on qui ça qu'on baille, dernière et marche de revendication, nous elle a bloqué et team pas obligé à courir à chercher team l'école. Je dis à la qui garantit qu'une gagne et que nous-mêmes nous avons marché dans l'aria avec zam nous, avec uniforme nous, ou encore sans uniforme et en pile policier toujours gagne cagoule dans visage. Qui ça a assuré population que et je dis à la il pas aucune inquiétude pour l'activité. M'a profité faire différence ça pour vous.
parce que nous-mêmes, nous avons espéré, nous sommes sortis à visa et découvert, couvert, je ne vais pas le faire jeudi. Nous devons faire comme ça le 27 octobre, nous devons faire chaque fois, nous toujours à visage découvert. Et si il y a un autre groupe, l'a sorti, il sorti avec cagoule dans la tête, nous pas sortir avec cagoule. Par conséquent, pour journée jeudi, on a demandé toute population haïtienne, nous devons évacuer à occupation comme ça doit. Mais nous-mêmes, nous avons marché de manière pacifique pour nous capables de faire un devoir, pour nous capables de porter des revendications policières avec personnel administratif. Tout le monde est sorti librement, espérant dans la rue, nous pas dans la violence, nous pas dans la crise brisée. Ces revendications, nous avons porté quoi, j'en connais toujours fait là. Et c'est ça que nous avons souhaité qu'on fasse la différence là entre SPNH et l'autre structure qui sortit avec Kagoul. Là, on parle de fantôme 69? Ouais, sous l'homme, on n'a pas de problème, mais nous-mêmes nous sortis à visage découvert. Qui rapport qui est entre SPNH et Fantôme 69, inspecteur? Bon, je ne peux pas dire que y a un rapport entre SPNH et Fantôme 69. Fantôme, nous réclamons que ces policiers, oui. Nous ne pouvons pas nier ça. Mais Fantôme, nous avons un pile l'autre couche de la même que nous ne pouvons pas qualifier de policiers. C'est ça qui fait que nous-mêmes. Nous avons toujours été à visage découvert pour nous capables de voir qui nous-mêmes, qui les policiers nous sommes. Mais les relations avec 509 sont des choses qui sont très difficiles pour nous capables de dire que nous avons une relation directe avec Fantôme 509. Dans le cadre de marche, je dis, il n'y a pas aucun rapport qui est développé entre nous-mêmes dans SPNH et le groupe qui réclame de Fantôme 509. Là. Non, nous n'avons pas aucun accord avec nous, nous n'avons pas ce marche-là. C'est nos mêmes policiers qui ont sorti. Si nous avons l'autre bagaille qui fait que nous sommes capables toujours à comprendre qui s'allie, parce que là, il y a un pile diversion qui a fait, il y a un pile de bagaille qui a préparé pour venir jeudi là. Mais nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas le seul côté qui est capable de dire que nous avons invité le peuple à venir accompagner nous. Nous avons invité l'école. Qui a défendu, qui a sorti pour mettre mon feuille d'oval parce que l'insécurité a frappé tout le monde. Nous avons parlé de l'autre syndicat, le syndicat motocyclette, CTSP, et l'autre syndicat qui est dans le pays, qui a travaillé, le syndicat IDH, le syndicat moto, le syndicat factorio pour accompagner nous parce que la bataille là, ce n'est pas la bataille la police seulement, ce n'est pas la police seulement, c'est la bataille pour le pays allié. Parce que c'est tout le monde net, c'est toute couche population qui a victime de l'insécurité. Ou mandé pour que étudiants qui ont manifesté ou qui ont marché au hôpital, tu as rejoint nous aujourd'hui et n'a pas encore nous? Oui, ils sont obligés d'accompagner nous parce que si nous faisons route, si nous n'avons pas le même côté, il faut que nous faisons route là ensemble. Mais qui ça pas encore marche nous? Pas encore marche, la sorti Carrefour aéroport pour livrer devant place constitution. C'est une façon pour nous faire. Tout le monde connaît que c'est la Constitution qui bat nos droits pour nous prendre la rue. C'est la Constitution qui nous suivre qui fait que nous sommes capables de mettre nous en situation, que nous avons formé le syndicat. C'est ça qui fait que c'est sur place Constitution qui a terminé. Elle dit, nous avons sorti qu'à pour arriver et place Constitution, nous avons passé par la zone? Oui, nous avons passé par la zone. Mais pas où et marche, et monsieur dans l'université aussi. Et sorti et faculté et des sciences économiques et FDSE pour monter pèlerin. Nous ne baguons trop sans blesse. Non, pas à quoi parcours. Nous ne baguons même pas parcours. C'est vrai, mais quand même, je crois que bon accompagnement a fait quand même parce que parcours pas nous. En fait, c'est comme ça nous, nous avons souhaité qu'ils accompagnent nous. Ça dépend de si on voulait ce parcours par là, c'est bien. Mais nous-mêmes, nous avons souhaité. Je dis à la réalité, côté que à travers les médias sociaux, il y a tout le monde qui est capable d'exprimer, et il y a un jeune et agent Simo, c'est Simo ou Udmo, et qui lui-même exprimé à travers une vidéo, et environ 48 heures après, ou FPC après, et vraiment l'équité, il y a un paquet de monde, je dis à la, qui a quitté l'institution de la police là par rapport avec Jean la fonctionné. Qui ça dit pour nous-mêmes, en SPNH là? Bon, pour nous-mêmes, nous... Mm-hmm.
gars net, tout le monde net, c'est chercher un visa pour justice. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement dans la police là, c'est dans tout le corps social là, côté que l'État a fini investi dans le bon monde, et le monde ça a quitté le pays, nous croyons que c'est vraiment regrettable, nous croyons que c'est un cas que nous avons supposé déplorer, pour nous dire que l'État a supposé prendre des mesures pour tout le monde qui travaille dans le pays tranquillement et pour renforcer l'économie pour nous faire payer à vivre dans notre pays. Mm-hmm. Merci beaucoup, inspecteur, et bon travail et puis et bonne marche. Et merci beaucoup, et comme quoi je suis pour remercier, parce que dans le moment ça nous besoin de gens de support pour nous demander population pour accompagner nous, pour nous demander justice pour les policiers qui tombent, pour nous demander justice pour mettre mon feuillet d'Oval, pour nous demander pour nous suspendre la répression syndicale sur nous, pour nous suspendre pour nous faire les policiers dans des zones qui parlent que côté après de loin famille. La point de justice pour mon belé, pour tout côté qu'il y a maltraité peuple, à côté qu'il y a pourri des populations qui t'a remis vivant paix. Alors c'est un match pour la paix, on a cherché la paix, et nous dans la paix, on a capable de développer Haïti. Mm-hmm. Merci un peu. C'était inspecteur de police Jean Elder Ledi, qui lui-même est coordonnateur de SPNH, Syndicat Police National d'Haïti, avec l'UNDAP. Essayez de garder question et marche à ça pour jeudi, lundi 7 septembre 2021. Ça ne peut pas oublier, gagnant et étudiant qui ont même fait marche jeudi à tout, pour être capable de dénoncer criminalité et assassinat sur Maître Montferrier d'Orval Moïse. Oui, il y a le président de la République en présence du Premier ministre et des membres du cabinet ministériel qui a procédé au lancement des travaux de construction du réseau électrique de la région métropolitaine de Port-au-Prince le samedi 5 septembre 2020. Ces travaux, selon le président, rentrent dans le cadre de sa vision de doter le pays de l'énergie électrique 24 heures sur 24. Cette construction est possible grâce aux prêts de 157 millions de dollars octroyés à la République de Chine, a informé le chef de l'État qui s'en est pris au Parlement, qui avait bloqué ce dit prêt. On l'écoute.
De son côté, le directeur général de l'EDH, Michel Présumé, a fait savoir que ce projet va améliorer considérablement la performance de l'EDH. Ce chantier contient la construction d'une ligne de haute tension aérienne, 4 nouvelles sous-stations et la réhabilitation de 10 sous-stations. À cela s'ajoute la reconstruction de la sous-station de Delmar, selon le DG de l'EDH, précisant qu'actuellement la production propre de l'EDH ne représente que 30%. Alors que la demande en énergie électrique dans la région métropolitaine dépasse nettement les 400 mégawatts, ses explications. Voilà, pour la déclaration de Michel Présumé, il est 8h38, le temps d'observer notre deuxième pause. BNC Accam Transfert décide de marier compétences avec expérience pour résoudre problème transfert. À partir de jeudi à même, ou commande des formules avec Zamou ou Kilot Bodlo, pour faire tout transfert pour vous dans Cam Transfert. Vous êtes capable de venir prendre dans BNC sans problème. Ou bien, tout faire déposer sous compte là, BNC. C'est le côté où vous avez garanti que vous avez un plus bon service. Et pas bonne nouvelle, vous avez demandé, mais bonne nouvelle. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Électricité, son bagage courant, mais boy, c'est rare. Il y a deux jours, même lumière ou pas, ouais. C'est pas rien, non? Tu bignes au grand monde. Je fais ça à l'hôpital. Alors nous-mêmes, les usagers du blackout, agissons grand monde. Alpon Delco Kubota dans Automeka sur route à l'aéroport. Dans n'importe quelle zone côté Gon Delco Kubota, blackout n'a pas réuni deux hommes en bon poteau électrique. Blackout avec lumière, c'est deux bagages qui n'ont pas mêlé. Si vous avez dans les mêlés, démêlez vite Alpon Delco Kubota dans Automeka. Souvelez, ouais, côté un blackout à chata. Lumon Kubota. Automeka, 22 route de l'aéroport, 29 41 25 44, 29 41 25 45. Toi, tu es la BRH pour lundi 7 septembre 2020, c'est 106 gouttes 52 pour $1 américain. N'a pas rappelé tout le monde. Ton référence BRH calculée et puis publiée pour journée 1, c'est résultat transaction achetée dollars qui fait dans la veille sous marché change là. Pas oublier, ton référence là disponible tout le temps sous site BRH là, www.brh.ht, sous compte Twitter BRH, BRH Haïti, ou soit ou carré le centre contact BRH là gratis dans 80D74. 106 gouttes 52 pour $1 américain. Pour ajouter une touche spéciale à votre décor, jardin, bureau ou intérieur, visitez la boutique Bohème. Bohème vous transportera dans un univers où se côtoient des pièces uniques de style industriel, moderne, oriental, résolument tendance. Conseil déco ou commande personnalisée, le personnel qualifié saura vous guider dans vos choix. Situé à l'angle des rues Chavannes et Clairvaux à Pétionville, Bohème sur Facebook et Instagram à Bohème Boutique HT. Cadeaux, accessoires, mobilier, Bohème. Un peu de tout, de partout. Compagnie non en relais Pinson SA. Elle n'a pas aucun autre nom. Pas prendre un faux mamite, pas prendre un imitateur. Directeur compagnie, c'est Tipinson Tête Noble. C'est lui qui était chef pompier dans l'aéroport.
Chaque deux ans, il est obligé de passer un examen pour voir si monsieur au courant dernier technique avec dernier produit qui gagne sur le marché. Donc, petit pinson tête noble certifié comme spécialiste dans le combat du fait. Pinson SA, Delma A1, numéro 19, téléphone 28 16 11 40, 28 16 80 20. Glamour, fashion, tendance and vintage, Bella Boutique a la baguette magique nécessaire pour vous transformer en ce que vous voulez. Trouvez la tenue idéale à Bella Boutique qui vous laisse un large choix de marques pour un mode qui vous convient et qui saura répondre à toutes vos envies. Passez à la rue Panaméricaine, local Harry's Restaurant, suite 111 ou appelez au 42 64 03 03. Choisissez Bella Boutique pour se faire chic et se sentir unique. Quotidien Le National est à la pointe de la technologie. Tapez dès maintenant www.lenational.org et lisez le journal sur votre smartphone ou votre ordi tout en écoutant la Radio Pacifique sur le 101.5 FM. Si vous désirez lire le journal au complet, sélectionnez Le Journal. Et ce n'est pas tout, Le National dispose d'une archive au bas de la dernière page. Ainsi, vous pourrez faire le tri du journal soit par numéro ou par date. Le quotidien Le National, près de vous, à travers la technologie. Chauffeur propriétaire machine qui t'a remis teinté, filmé vite machine yo, ou bien qui déjà gué vite machine yo, filmé teinté, DGI voye fait nous connaît, article 10 décret budget 2019-2021, fait nous obligation pour nous passer dans direction générale impôt qui pipre ou là, pour venir payer, pour qu'à joindre autorisation. Mes documents pour nous poter, papier machine nan, faut ou pas doué vignette, matricule fiscale, permis de conduire, pièce d'identité valide avec montant l'argent qui c'est 10 000 gouttes. Pour institution et entreprise, il faut que vous portiez quittance fiscale ou patente valide, carte d'immatriculation fiscale, papier machine en règle, papier assurance valide et puis preuve paiement qui c'est 10 000 gouttes. Pas oublier, autorisation pour vite filmer, pas empêcher la police rete machine nan, pour faire travail contrôle qu'elle était toujours qu'on fait pour garantir sécurité tout le monde. Si vous n'avez pas autorisation DGIA, vous prenez une contravention 20 000 gouttes. Marchez avec autorisation dans la machine pour ne pas aller nous raconter et puis payer une contravention tête nègre. Pendant pays États-Unis, Haïti et partenaires régionaux ont travaillé pour préparer une saison qui a porté en pile cyclone pendant la pandémie COVID-19. Nous avons déconseillé les migrants pour parler avant de tirer pour un bateau pour faire un voyage dangereux qui a même la cause de la mort. Dernier groupe 266 Haïtiens qui ont été menés retournés au Cap Haïtien, après autorité Zile Tekken Kaikos Tekken Bebato et voyage, montrez-vous l'autre fois encore que c'est la peine pour nous risquer la vie nous dans le genre de voyage ici. Pays États-Unis partage des pays d'Haïti pour yon des meilleurs pour peuple. Et puis, nous continuons à travailler pour yon Haïti qui plus sûr, qui gagne plus sécurité et puis plus prospère. Protéger l'environnement, c'est remettre tête nous toutes concernées. Nous devons tous répondre à ce cri d'alarme qui fait appel à notre amour propre, à notre responsabilité de protéger notre espace. Cam Stéphane Poulard, l'ami de toutes les générations, vous invite à écouter Environnement, Pacifique. Comment percevoir l'urgence de protéger l'environnement. Chaque dimanche, 3h, 4h de l'après-midi. Une occasion d'échange pour sauver Haïti sur le 101.5 FM Radio Pacifique. Suivez tous les samedis de 1h à 2h PM, Mise à jour. Mise à jour, une émission de technologie et de multimédia. Actualité, astuces pour les périphéries portables, laptops, imprimantes, logiciels et autres. Mise à jour, une émission de débat sur les technologies de pointe avec l'ingénieur Michael Boussicou. Mise à jour, tous les samedis de 1h à 2h PM sur Pacifique FM. Pacifique FM. Impression. Radio Pacifique a invité au côté chaque jour, sorti 11h rivé midi 30, Impression. C'est une émission 90 minutes, côté ou même auditeur, n'importe côté sous la terre, ou capable de briller pour bailler impression sur yon sujet, yon thème, qui a fait voix nation rivé bon côté autorité. Yon dossier qui a dominé actualité. La Radio Pacifique n'a pas de tribunal. C'est impression ou même auditeur qui comptait. Rélé pour bail impression, 46 13 10 10, 44 08 10 10. Semi-colibre, sans discrimination, sans contrainte animataire. Radio Pacifique, voix qui bon côté là,
dans une autre radio pour un autre pays. Combien de fois vous dites un prochain merci parce qu'il t'a aidé? Combien de fois vous dites parents merci pour ça vous fait pour vous? Combien de fois vous dites merci les gens qui rendent un service? Toujours songez dit merci à monde qui fait bien pour vous. Ça, c'est un message Radio Télé Pacifique poté pour améliorer le rapport monde avec monde dans le pays. Radio Pacifique, qui nous branche, écoute et puis tendez. Pacifique FM. Port-au-Prince, Jérémy, Okaï, Cap-Haïtien. Pacifique FM. Plateau Central, Latimouni, Port-de-Paix, Fort Liberté. Pacifique FM. NIP, Jacmel, et puis dans diaspora, à même passion. Radio Pacifique FM. Notre passion. Radio Télé-Pacifique, l'unique transparence, la seule. La vraie station choisie parmi tant d'autres pour mieux vous édifier. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans la deuxième partie de cette édition. Et cette troisième partie, nous allons nous rendre dans l'actualité internationale. Je vous dis, tu as supposé qu'on go bout de ton livre qui est sorti aux États-Unis. Jacques, c'est ancien conseiller de Donald Trump qui va publier ce texte. Et un texte, côté que monsieur a indexé président américain. Hein. Donald Trump est qui est définitivement pas gain, pas être top chance avec conseiller Dio. Et parce que depuis monsieur Damio quitté Maison-Blanche et quitté président américain, eh bien, il a décidé pour avilir président américain à travers des textes que il a publiés aux États-Unis et d'Amérique. Et nous-mêmes, nous là, nous suivons la dernière actualité. Le président américain nous connaît qui est lui-même dans le dernier moment pour être capable et faire campagne d'une façon aussi de remporter l'élection aux États-Unis et d'Amérique pour être capable de remporter l'élection. Et puis, COVID-19, le Royaume-Uni vient d'enregistrer près de 3000 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, une poussée préoccupante selon le ministre de la Santé Matt Hancock. Pays le plus durement touché en Europe, le Royaume-Uni compte près de 300 000 personnes infectées selon l'université de Hopkins. Deux décès ont été enregistrés dimanche, portant le total à 41 551 morts seulement pour le Royaume-Uni. Bon, donc on va parler des Biélorusses, qui ont même manifesté contre le président nouvellement élu, eh bien, et en Biélorussie. Et qu'on a que la situation est pratiquement compliquée. L'opposition citoyenne et politique biélorusse n'abandonne pas. Plus de 100 000 personnes étaient descendues dans les rues de la capitale du Biélorusse ce dimanche. La police et les troupes de l'armée ont bloqué le centre-ville de Minsk. Les manifestants se sont dirigés vers le palais de l'indépendance, siège de la présidence, par une route périphérique. Face à eux, canons à eau, boucliers blindés. En début de soirée, alors que les manifestants évacuaient progressivement les environs du palais de l'indépendance, eh bien, des images montraient des hommes cagoulés en civil et armés de matraques circulant dans le centre-ville et pourchassent des manifestants. C'est l'heure du billet de Jacques, on va l'ouvrir. Pour couronner le journal Pacifique Matin, l'éditorialiste Jacques Ambroise donne le ton en vous présentant son billet à compter de 8h50. 10 minutes de réflexion, d'analyse face aux différents problèmes d'ordre socio-politique. Le billet de Jacques Ambroise, un rendez-vous à ne pas manquer. Le billet de Jacques Ambroise. Moi, je suis quoi, il faut mon ici. Notre nation a pas avancé en technologie. Nous-mêmes, nous là. N'a pris. Notre nation.
Radiation a fait créer Blackberry. Pour le premier billet de Jacques pour cette semaine, angoisse systémique et généralisée. Toujours dans la crise haïtienne, Jacques Bombi à toi. Et puis, merci. Bonne semaine. Merci, bonne semaine à toi. Donc, on est bon dans la gare jeudi, lundi 7 septembre. Et tout le monde qui fête la nativité, jeudi, c'est la veille fête. Et par exemple, on l'accule demain. Et Abgimbes, parce que c'est patronne. Et la Côte du Nord, et qui c'est la nativité. On dit tout est à Culois et Culoise, quel qu'en soit côté voyé, et sur la terre, et bonne fête patronale. Et je veux dire, nous dit, situation qui nous la donne dans le pays, hein, c'est une situation qui là, à hier, avant-hier, ou bien, et dans ce temps qui sont passés là. Donc, on peut que nous vivons là-dedans. On dirait que nous te construit même et sous la peur, sous angoisse. Mais angoisse que nous avons, ou qu'à peur, ou peur pour un petit moment. Et mais là, on angoisse, et, ou qu'on a un bagage qui fait peur, ou pas bien, ou pas qu'on qui s'allie. Ou pour qu'on a déterminé, ou dit que qu'on mauvais nouvelle qu'a vini, mais qu'on sauté, qu'on serré. Je dis à qu'est-ce que c'est ça que nous gagnons, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Les gagnons plusieurs facteurs qui qu'a fait gagner. Et c'est pour ça que nous dit que les systémiques, les dans système et dans pays d'Haïti, parce que depuis fondation pays a non pas jeter base réelle pour qui permettre que citoyens haïtiens yo pour nous dire ensemble nous allons vaincre et cette angoisse. C'est ensemble que nous pourrons essayer jeter base nouvelle et société que nous voulons. Société qui pochita sous et justice sociale Jean et Zosetio yo même yo te gayen et nan tèt yo. Donc nan angoisse ça nous dit que systémique et généralisé. Te bon époque où ta ka di gen de moun ki pat concerné par peur ça, par angoisse ça. Ki moun k'ap demandi m vite pou di m c'est pas vrai. Yo toujours concerné. Parce que en pile fois est-ce qu'on a que corruption qui gagne en d'un pays? C'est angoisse qui fait que qui gagne angoisse systémique ça? Parce que tout simplement, ou après le jouen que des mouns qui occupent des fonctions dans l'État, qui pas connaît qui l'est et yo ka révoqué yo, en ben peut-être ça, li dit faut le préparer chital, faut le préparer demain. Parce que pays nous te construit à par apprendre nous pour nous capables construit sur le long terme pour permettre nous connaître que pour dire et nous capables assurer demain par rapport à ça n'a fait jeudi à pays à pas c'est nous aller dans gérer l'urgence et le quotidien et living étant dans tout l'autre secteur dans la vie en un pays à parce que jeudi à là pas gen moun ki capable di l'ap sauter dans la rue sans que qu'elle pas sauter. C'est là l'entrée la caille, li connaît que li té sorti, li rentré, rien pas passé. Et même là l'entrée la caille par rapport à zak insécurité nous wè ki fait dans pays a et ces derniers temps, nous dit que ou pas et à l'abri. Et là ça ou vinn mandé de ki Haïti ouvle. De qui paye ou vle, qui côté ou à poil et marcher pour comprendre que bagay la li même la différent pour ça veut dire les ou comme ça ou dit qui ça pour faire non pays comme ça parce que ou gagne impression que des bandits à tous les niveaux
bandi qui besoin l'argent et il y a envie boire sans tout. Il y a des monde là où est sans qui est au content. Et l'autre qualité bandi yo, c'est des monde qui là cap fait des crimes économiques et en dans pays et qui viennent faire que ou pas jamais ka poser vrai problème yo et en dans pays a et cap toujours gagner casser feuille pour qui et couvrir ça et tout le monde dit qui ça pour faire nos pays comme ça parce que mal social que nous la donne li profond en pile li et comme on t'a dit ça li pas et yon bagay qui ka passé parce que nous pas moyen problème nan pour nous et capable avancer. Nous vivons dans situation c'est survie personnelle n'a goumen pour nous capable et essayer kembe. Collectif nous pas jamais aller vers la collectivité pour permettre nous résoudre problème yo. Et c'est ça qui fait nous toujours gagner nos situations de confrontation. Au lieu que nous chita pour nous résoudre problème, en ben c'est la confrontation n'a pas le faire. Et confrontation à différents niveaux. Et sur le plan économique, c'est confrontation qui fait et pour nous résoudre problème yo. Et si nous remontons bien loin dans et l'histoire et en pile fois gagner c'est un coup d'acadie ou bail chat véhément. Par exemple, quand Dessalines avait ordonné la vérification des titres de propriété parce que après l'indépendance, gros paquet monde qui était fait faux titre, gros paquet monde qui dit était bien maman, papa, tonton, tantine, frère, sœur, t'es quitté pour yo. Ça veut dire li te Dessalines pas de gain l'autre choix que pour mander moun en ben OK, pas un problème. Montre moi papier nous depuis qu'il est que nous gain et bien ça yo. Et c'est à partir de là et en plus gros goumen après le fait et on pas le laisser frapper en dans jeune république là. Est-ce que jodi a et laisser frapper ça toujours là? Oui. Yo pas disparaître. Parce que nous pouvons jamais gagner un plan réel pour permettre que nous-mêmes comme haïtiens nous baille pays à l'autre direction pour nous tabailler là. Et pour nous sortir là dedans, faut nous comprendre que et Haïti li doit pour tout le monde et chaque monde pas cap garder dans lunette pas là parce que l'a garder dans lunette pas là seulement ou pas faire aucun effort pour permettre que nous baillons l'autre la main, nous baillons les bois pour avancer. Et c'est ça qui fait. Gon panne intellectuelle, ça veut dire pour venir avec l'autre l'idée, venir avec l'autre alternative, pour qui permette nous et répondre à la situation que nous vivons et journée aujourd'hui. Et si nous n'avons pas décidé pour nous gagner et l'autre idée, parce que nous, mon pays, faut que nous avons refait toute bagaille. Faut que nous repensé, refondé, redéfini tout ça que nous avons fait. Pour nous entrer dans une dynamique pour te coller tout bon vrai. Pour capable gagner un effort collectif. Parce que si nous ne faisons pas un effort collectif, là, c'est tout droit nous pour aller vers Sandakarele, suicide. Là. C'est tout droit n'a pas aller vers une nation qui faillit tout bon vrai parce que jodi a en termes de résultats en termes de ça n'a fait effectivement nous son nation qui capoté nous son nation qui faillit nous son nation qui gain problème ça veut dire si ne pas veut peur si ne veut quitter angoisse ça pas fini à veine nous obligé redéfinir cause nous obligé ouais nous obligés de comprendre que nous toutes nous menacés. Nous toutes nous dans même bateau et Jean le bras là l'a fini avec nous à petit feu parce que Québec a content. C'est un plaisir pour nous te avoir et journée lundi 7 septembre pour premier billet on a bon rendez-vous pour demain. Entre-temps vive Haïti les mêmes à venir. J'habite à Pétionville et toi cité soleil. Mon père est bourgeois et toi ta mère elle est pauvre.
matin, midi, soir, j'écoute une seule fréquence. 105 Pacifique FM. Red branché. N'a pas tourné tal. Moi pas la toilette, mais mes papiers, comme si MO. Mandé glory. Papier glory. Hey, mes fin manger, mais mes papiers, comme si bouche moi. Mandé glory. Napkin glory. Mais sous mes bon papier, paguez là. Y'a mon papier hygiénique. Papier glory. Papier de qualité. Paguez là. Y'a mon papier pour santé. Papier glory. Hey, où remet hygiène, où remet santé, on va capasser. Dans toute la machine, la veille a pâché à glory. Mais oui, nous même qui femmes, qui sensibles pour famille, nous pas capables de servir à glory. Papier toilette là, napkin pour table là, c'est santé caille là. Glory, c'est nombre mon affaire hygiène, les familles sont tout. Les baillons, non, fillé, wop, joy, glace, luxe, tout ou ni, gol. Servir à papier glory, produit local, cap, bail travail. Et puis qui gros, qui petit, qui pour toute poche, toute commande, belle dans 28-11-0-4-44, 28-11-0-4-45. Et dans toute si c'est abonné Canal Plus, passez pas abonnement. Avant si à l'eau coupé pour juicer, même qu'elle est content. Et puis vous passez mes abonnements avant les. C'est même qu'elle est content. Quand tu es en pichette gratis pendant 7 jours. C'est même qu'elle est content. Et puis chaîne pendant 7 jours grâce à Semaine qui est content. Semaine qui est content disponible dans tous les outils à notre site qui est Canal Plus. Pour toutes informations sur l'adresse nous, dans Port-au-Prince, dans la province, il est dans 2946-4141 ou sont allés sur www.canalplus-haïti.com. Qui sort sur Dim la Magui? Comme quoi, en plus d'accéder à mes comptes, je peux aussi payer mes fournisseurs et n'importe qui a un compte à la Unibank. Mais oui, Sandra, c'est le service Pay Anyone de Unibank Online. Avec ton PIN de sûreté et en un simple clic, tu fais un virement sur le compte de ton choix avec Unibank Online et c'est un jeu d'enfant. Et ce n'est pas tout, ma chère. Ah oui? Bien toujours? Mais oui, ma chère. Avec le service Pay Anyone, tu as plusieurs options. Tu peux faire un virement ponctuel ou le programmer à une date ultérieure. Tu peux également effectuer des paiements automatiques en fonction de tes besoins. Liguez-toi chaque mois ou bien j'envelais l'an pour t'envelais l'an. Ah, avec le service Pay Anyone de Unibank Online, je gagne du temps et plus question d'être en retard sur mes paiements. Unibank Online, c'est simple, rapide et pratique. Pour bénéficier du service Pay Anyone de Unibank Online, inscrivez-vous dès aujourd'hui sur le www.unibankhaiti.com. Le quotidien Le National est à la pointe de la technologie. Tapez dès maintenant www.lenational.org et lisez le journal sur votre smartphone ou votre ordi tout en écoutant la Radio Pacifique sur le 101.5 FM. Si vous désirez lire le journal au complet, sélectionnez Le Journal. Et ce n'est pas tout, Le National dispose d'une archive au bas de la dernière page. Ici, vous pourrez faire le tri du journal soit par numéro ou par date. Le quotidien Le National, plus près de vous, à travers la technologie. Toyota Nat BRH pour lundi 7 septembre 2020, c'est 106 gouttes 52 pour un dollar américain. N'a pas rappelé tout le monde, ton référence BRH calculée et puis publiée pour journée 1, c'est résultat transaction achetée dollar qui fait dans la veille sous marché change. Là. Pas oublié, ton référence là disponible tout le temps sur site BRH là, www.brh.ht, sous compte Twitter BRH, BRH Haïti, ou soit ou carré les centres contact BRH là gratis dans 82-74. 106 gouttes 52 pour $1 américain.